In the name of Jesus. You want to pray again? Listen. We are going before the Lord. And we are praying the Lord prepare us. Nous allons prier, Seigneur, the Bible said, it was a time in the life of the Israelites when they wanted to encounter God. God asked them to prepare themselves. Hallelujah. We are here to encounter God in another level. So we are praying personally. You are going before God. Tu vas aller dans la and you are praying that God prepare me. Tu vas demander au prepare Seigneur, my heart to receive from you. Mon cœur à prepare my mind to understand your word. Ma pensée à prepare my spirit, my mind, my soul. Everything of me, Lord, prepare me. Tout ce qui est de moi, Seigneur, talk to the Lord right à now. De toi, à comprendre you are asking the Lord to prepare you. Tu vas demander au Seigneur prepare you for his word that is coming. Ou te préparer pour sa parole qui vient. Prepare you to understand this word that is coming. Pour comprendre sa parole qui vient. Prepare your heart to receive prepare the word that is coming. Recevoir la parole qui vient. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Begin to pray right now. Talk to the Lord. Maintenant. Demande au Seigneur de talk préparer Lord, ton cœur, ta pensée, ton âme, ton esprit. Talk to the Lord. Sa parole qui va venir. The Lord prepare us. Le Seigneur prépare nous. The Lord prepare us. Lord, prepare us. Jesus, prepare us. Any distraction in your mind, may the blood speak over your life. Anything the devil will use to accuse you, let the blood speak on your behalf. In the name of Jesus, any accusation, any sin in your life that the devil will hold on to, his very day, to deny you of the blessing of the fasting, you are praying that, oh God, let your blood, let it speak over me. Any pollution of the mind, the pollution of the heart, you are praying that, Father, let your blood speak on my behalf. Let your blood speak on my behalf. Let your blood speak on my behalf. Prepare my mind, oh God, by your blood. Prepare my heart, oh God. Let your power come and take dominion again. Let your spirit of truth, come and take dominion in the name of Jesus. Somebody begin to pray. Demande au Seigneur de préparer ton cœur. Ask the Lord to prepare your mind pour que tu puisses recevoir. Ask the Lord to prepare your mind. Ask the Lord to cleanse you from all ungodliness, from every sin. From every weight, every stain in your life, any stain in your spiritual coming, you are praying that, oh God, come and wash me. Let your blood wash me tonight. Let your blood purify me tonight. You are praying that, oh God, this evening, ce soir, I put on je revais the garment le vêtement of purity, de la purité, the garment le vêtement of holiness, de la sainteté, the garment le vêtement of righteousness, de la justice. In the name of Jesus, au nom de Jésus, somebody talk to the Lord. Parle au Seigneur maintenant. Talk to him. Parle au Seigneur que Seigneur lave-moi ce soir. Que tout tâche dans mon the Lord, I'm filthy. Tout tâche, dans mon vêtement. But I have come to be je cleansed. Suis sale, mais je suis venu de Lord, I am petty. Seigneur, je suis sale. I have come to be sanctified. Je suis sale, Seigneur, je suis venu Lord, I am unclean. Purifie-moi, Seigneur. I have come to be cleansed. In the name of Jesus. Seigneur, sanctifie-moi, sanctifie-moi. My thoughts, purifie-moi, my heart has been polluted. Let your blood have been let your blood have been let your blood prepare us. Let your blood prepare us. In the name of Jesus. 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 In the name of Jesus.
va te plonger dans le sang de Jésus. That any arrow that will be shot against you, que toute flèche qui sera lancée contre toi, of the blessing in today's program, ou la bénédiction qui you est dans ce programme, let the blood speak on tu vas prier que le sang de Jésus intervient, parle en ta faveur. You are praying that let the blood speak on tu pries que le sang intervient en ta faveur. That any arrow that will be shot against any of us, que toute flèche qui sera lancée contre any arrow that will be shot against our leader, toute flèche qui sera lancée contre nos any arrow that will be shot against the pastors, toute flèche qui sera lancée contre you les pasteurs. Are praying today. Tu vas prier aujourd'hui that the blood of the Lamb Jesus, que le sang de l'agneau Jésus, so cover us and speak for us, nous couvre et parle en you notre are soaking yourself into the blood. Tu te plonges dans le sang de Jésus. Talk to the Lord right now. Begin to pray. Parle au Seigneur maintenant. Commence à prier. Let the blood speak. Que le sang de Jésus parle. Let the blood speak on your behalf. Que le sang de Jésus parle. Let the blood speak on your behalf. Que le sang de Jésus parle. Let the blood speak on your behalf. You are soaking yourself into the blood. Tu te plonges dans le sang. In your body, your soul, and your spirit. Ton âme, ton esprit et ton corps. We are soaking the soul into the blood. Tu te plonges dans le sang de Jésus. We are praying. Tu pries. That oh God, que oh Dieu, any arrow, toute flèche, of destruction, de distraction, any arrow, toute flèche, of weakness, de faiblesse, that will not permit, qui ne va pas me you to pray, de prier, you to receive, de recevoir, from the mouth of the man of God, de la bouche de we are praying. Nous prions. That oh God, que oh Dieu, let your blood, que ton sang, let your blood, que ton sang, let your blood, que ton sang, let your blood. Let it speak for you. Let it speak for you. Begin to pray. Begin to pray right now. Demande à Dieu que le sang, son sang précieux parle en ta faveur. Parle au Seigneur maintenant. Que son sang précieux parle en ta faveur. We divert every arrow of weakness, toute flèche, arrow of destruction, toute faible, arrow of destruction, toute flèche de destruction. In the name of Jesus, au nom de Jésus, let the blood speak over que us. Le sang de Jésus parle. Let the blood speak que over le us. Sang parle. We invoke the blood nous invoquons le sang into the atmosphere. Dans l'atmosphère. We invoke the blood nous invoquons le sang into our surroundings. Any programming of darkness, of evil, against today's program, we are praying. Let the blood, let it speak now. Let the blood, let it speak now. Let it speak now. Let the atmosphere be conducive for the Spirit of God to move in our midst right now. In the name of Jesus, somebody begin to pray. That Father, let your blood, let it speak in the atmosphere, in our surrounding, in the name of Jesus. Any activity of devil, any activity of witches, any activity of demons against the program, in the name of Jesus. Let the blood, let the blood, let the blood, let the blood. Somebody pray. Let the blood, let it speak now. Let it speak now. Let it speak now. Talk to the Lord, pray. Father, we put your blood in the atmosphere. Lord, we put your blood in our surrounding. Any actions, any plans, any plot, any activity of witches and wizards, of satanic forces in this vicinity against the program. Let the blood, let the blood, let the blood, let the blood. Let it speak up. 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 De Jésus. Right now we want to pray. Nous allons prier. We don't have too much time, but we want to pray for our Father. Nous allons prier pour notre papa. Tonight is a vessel that God is going to use to bless us. Cette nuit, c'est un vase que le Seigneur va utiliser pour nous bénir. We are soaking into the blood. Alors
nous allons le plonger dans le sang. We are praying the spirit of the living God. You see my nous prions que l'esprit de Dieu l'utilise puissamment. As you did for him in the past, you see him mightily in our presence. Comme il a fait dans le passé, il l'utilise puissamment. Que ton esprit l'englobe. That his words will be fire unto our hearts. Et que ses paroles soient du feu. You are praying for power and strength. Tu vas prier pour la puissance et la force pour nous. Oh God, anoint him for us today. Oins-le pour nous ce soir. Lord, anoint him for our blessing this evening. Oins-le pour notre bénédiction ce soir. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Begin to pray. Begin to talk to the Lord. Pray for him right now. Pray for him. You are committing him unto the Lord. Remets notre papa dans la main du Seigneur. You are praying, oh God, for my sake. Lord, for my blessing. Lord, for my blessing. Lord, use our father. He took him into the Lord. He can pray for him. For your blessing, for your destiny, for your breakthrough. You are praying now, oh God. Use him powerfully. Lord, anoint him more and more. In sharp blessing. Lord, empower, keep him. Lord, break him. Grant him grace. Abundance of grace. He's giving it right now. In the name of Jesus. You are praying now, oh Lord. Lay your light overshadow him. 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 In the name of Jesus. 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 May it be a blessing to us. In the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. For coming into our midst this evening. We commit the program, O Lord, into your hands. Nous remettons le programme entre ta main. We commit our Father and the Lord into your hands. Nous remettons notre papa entre ta main. Lord, for our blessings. Seigneur, pour notre bénédiction. Empower him. Fortifie-le. Lord, for our testimony. Seigneur, pour nos témoignages. Strengthen him. Fortifie-le. Lord, for our breakthrough sake. Seigneur, pour notre anointing. And grace him. Lord, we pray that you prepare our mind and our heart. Préparer nos cœurs et nos pensées. Prepare us spiritually. Prépare-nous spirituellement. Cover us with your blood. Couvre-nous. We invoke the blood into the atmosphere. Nous invoquons le sang dans l'atmosphère. Into our surrounding. Autour de nous. We pray that let your blood speak. Et nous prions que ton sang parle pour nous. Against every activity contre of toute darkness. Activité de ténèbres. Against every programming of darkness. Contre tout programme. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Let the standard of the blood speak on our behalf. Le standard du sang parle. Let the standard of the blood speak on our behalf. Let the standard of the blood speak over the children. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. We pray, Lord Jesus. Nous prions, Seigneur Jésus. That let every blessing in this program. Que toute bénédiction dans ce programme soit déversée sur nos vies. Even today, même aujourd'hui, as the beginning of the program, comme le début du programme, Father, may we be blessed. Seigneur, que nous soyons bénis. May we never lack. Que nous ne manquions pas. In the name of Jesus, au nom de Jésus, we thank you. Nous te remercions. We bless you. Nous te bénissons. In Jesus' name, au nom de Jésus. Amen. Amen. God bless us. Give a clap of praise to God. Hallelujah. Alléluia. Allez, dis, say clap for me, I say clap for God. The Almighty God. The All Creator. Hallelujah. The one who have done good to you and me. Hallelujah. If you are holding this program, if you are able to be here today, hallelujah, it's by the grace of God. It means the Lord have planned it. Your place have to be in our midst. That's why you are here. So give a clap of praise to God. Hallelujah. Amen. Please, are you here with your handkerchief? If you are here with your handkerchief, I want to see it. We are going to praise God. We are going to dance more. Hallelujah. It's like people are not happy. You are here to recover. You are here to discover. You are here to recover. You are here to discover.
But before you recover, let me show you something. In the Bible said that when Joshua and the Israelites, they come across Jericho, hallelujah, they could have passed a side of Jericho, but the Bible said they passed through Jericho because of their riches. Their breakthrough is there. There are gold that they have to possess. So God told them, you people, you just go around the town. Go around. And at the seventh round, you shout, hallelujah. It was a praises. Remember Paul and Silas in the prison. The Bible says in the midnight, they were praying. And it reached a point, they started singing, hallelujah. And one of a sudden, the prison shake, hallelujah. And the yokes break. Praises break yokes. Hallelujah. Are you ready to praise God? If you are ready, I want to see your handkerchief. I want to see your handkerchief. Hallelujah. Hey. Hey, our God is good, oh. My God is good, oh. Hey, people are not ready. Hey, 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 my God is good, oh. Hey, my God is good, oh. I can't hear you. If your God is good, I want to hear you. Hey, my God is good, oh. Hey, hey, my God is good, say, oh. Hey. Come on.
I see God. He's a mighty God. He's a mighty God. He's
joie. Make it joy for now. Jésus. Proclame Jesus' name. Proclame son nom. Proclaim his name. Proclame son nom. Proclaim his name. Dis Jésus. Chant Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Moment d'adoration. During time of worship. Et tu vas lever tes mains très haut. You are raising your hand and waving to the Lord. Et commence à dire des mots doux au Seigneur Jésus. Bless God with the fruit of your lips. Celui qui nous donne ce saut de vie. C'est par cette grâce que tu as tenu ce soir en ce lieu. It's by His grace you are here this evening. Alors commence à lui dire merci pour begin ta vie. Begin to bless the Lord for your life. Tu lui merci. Bless Him. Thank you.
Nous avons un homme de Dieu puissant au milieu de nous. Which will be leading us in a solo. He will be giving us a solo very soon. Qui va nous donner un solo tout à l'heure. But we want to be on our feet and we want to invite nous allons Apostle Emmanuel tenir to come and bless debout. Us. Do it better for him. Do it better. Pour nous bénir. As he comes to bless us. Hallelujah. Kindly have your seat. We bless God for today too. Man of God, God bless you. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. We thank God for how far He has brought us. Nous bénissons le Seigneur pour là it où is nous not avons about mené. Our strength. Ce n'est pas notre propre force. It's not about our mind. It is not about what we have. Ce n'est pas par rapport à but ce que it's nous the avons. Grace of mais God. C'est pas la grâce de Dieu. I thank God for the life of Oasis. Je remercie le Seigneur pour la vie de l'église Oasis de Dieu. Because we from afar. Parce que de loin. But we are still going through. Nous venons de loin, nous continuons à traverser des choses. La Bible déclare. For Psalm 66 verse 12. Psalm 66, that it did not allow a man to ride over us. We have been through fire. We have been through what? But God has led us into the right of righteousness. Dieu nous a conduit par sa justice. I thank God for the life of Oasis. Je remercie le Seigneur pour la vie and I thank God for your life.
Et je remercie le Seigneur pour votre vie. If you are here and you're happy, say, I bless you, Lord. Si tu es ici et tu es content, dis, Seigneur, je te bénis. Yes, I Nyamie Guaman, oh Fata, Yakutu, yes, I Nyamie Guaman, oh Fata, Yakutu. Yes, I will. Nyamie Guamo, oh Fata. Yawaya mami dosun. Mimunya mi kancha mansai. Nyamie. 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 Mission at Tabanasi. Now
Je remercie le Seigneur, je ne suis pas celui qui va prêcher. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Favor you. Et qu'il vous favorise. Alléluia. Alléluia. That's Apostle Emma for you. C'était là l'apôtre Emma. You know, Apostle Emma was part of the people we go to the Achua Mountain and pray. Apostle Emma faisait partie des personnes avec qui on allait à Achua Mountain pour prier. You know, Apostle Kingsley, Pastor Francis, myself. Lui, Apostle Kingsley, Pasteur Francis et moi-même. One day we so much pray on Achua Mountain. Un jour, nous avons tellement prié sur la montagne appelée Achua. Asking God, come, asking God to remember us also. Et on demandait à Dieu aussi de se souvenir de nous. You know, when we finish praying. Alors vous savez quand on a fini de prier. From Achua Mountain to Kumasi. D'Achua Mountain jusqu'à Kumasi. While we were in the car. Pendant que nous étions dans le véhicule. There was a strange call. Il y avait un appel étrange. Philip Gadotti, we pray and the result is happening. Voyez, c'était du tic au tac. On a prié et le résultat est venu. And the woman kept calling him. Et la dame a continué à l'appeler. When they call, he will say, I'm not the one, right? Quand on l'appelle, il dit non, c'est pas moi. C'est pas moi. And I tell him that you are a pastor, respond. Je lui ai dit, tu es pasteur, réponds. The woman called from where? Canada. Canada. Yeah, Adam, he called from Canada. Elle a appelé de Canada. He called and he said, there's a problem that is in court, but he's calling the pastor. But unfortunately, he's just a missed call. So I told her that I'm not a pastor. And the pastor told me that I should respond. And I respond to it. Since then, we became friends. And we were chatting and talking. And he told me she would come to Ghana. And she came to Ghana. Actually, she lived at Koforidua. So when she came, she called me to come to Koforidua. And we went there. She was doing a project, which is hostel. The hostel is about a three-story building.
And first floor, left and right is 12. Here is 12. Second 12, third 12. And the one that she was taking charge, he just squandered the money. So the woman was just giving up. And when we went there, she asked me, Yima, is it going to be, well, can I do this? And I said, you will do it. By the grace of God, as I'm talking to you now, he's able to finish the hostel. And she came last month. The 30 that you chop up my loan. Hey. Finish it, I'm listening. Oh, Pastor. You see, voyez-vous? I thank God for the life of Pastor. Je bénis Dieu pour la vie du he pastor. Trained us in such a way that il nous a formé we should not focus about money. Qu'on ne devrait pas être focalisé sur l'argent. We should think about the work. Travailler, but when you do and do it well, et quand tu le fais, fais le bien, it's going to yield a seed for you. So, we didn't even focus about money. On ne s'est pas d'abord préoccupé. You know, last month, she came to Ghana. She même came and bought a house. And we went there and prayed. And do you know something? When I went there to pray, God told me that there is going to link her to oil field. And I talked to her and she told me that there was a friend that she was discussing the oil business with. And I said, God is going to give it to you. When she went to Canada, she called me and said, the friend has been giving the filling station to her to manage. Possible if she can buy, she should buy it. And I thank God for the life of our papa. In fact, for now, maybe it's not easy for you, but I'm begging you, don't go anywhere. Stay, obey, and listen. And I believe God will respond to you, and God will bless you. Amen. Amen. Hallelujah. God bless you. Amen. Amen. That's Apostle Emma for you. Là, apostle. C'était l'apôtre Emma. Yeah, there's another apostle in the house. Il y a aussi un autre apôtre dans la maison. Tu peux le faire bien, il conduit et tata. God bless you. There are times that you must look for your playmates and play with them. Par moment, tu dois rechercher tes on va dire tes camarades et jouer avec eux. Amen. Amen. By the grace of God, I got born again in my cousin's church. It's a senior brother, par la grâce Reverend de Dieu, Christopher Theodore. Je suis né de nouveau dans l'église de mon frère, qui est un grand frère, qui est un cousin. The church name is first when we were getting born again. The church was Revival Fire Evangelistic Mission. Donc, missions. Le nom de l'église était le Feu Évangélique Missionnaire. But while they were going to register the church, there was a problem, so they changed the Revival Evangelistic Flame Missions. Alors quand ils ont commencé, ils ont changé le nom, c'est devenu Mission Évangélique de Réveil, de la Flamme de Réveil. Now, that's where I got born again. Et c'est là que je suis né de nouveau. Everything there. Toutes choses y étaient là. All the experience a Christian should have, I have them there. Toute expérience qu'un chrétien doit avoir, je les ai eu là-bas. Amen. Amen. While we were there, quand nous y étions, there's a brother there, as an apostle, a pastor, Pastor Gideon. Pastor Gideon. Pastor Gideon, come. You know, voyez-vous, those years in Kisema, Christian Village. Ces années à Kisema, à Christian Village. That's where we were playing our chaskele, spiritual chaskele. Voilà, c'est là que nous on jouait nos chaskele spirituels. Amen. Amen. We got on phone, told him you are doing a program. Said, why not? He will pass by. On l'a eu au téléphone et on lui a dit qu'on a un programme. Il a dit, ok, j'y passerai. Hallelujah. Hallelujah. We want to give him the microphone to say hi to the church. Nous voulons lui donner le micro pour dire un salut à l'église. Amen. Amen. Pastor Gideon. Pastor Gideon. Church. Église. Pastor Gideon. Voici le pasteur Gideon. On peut l'apprécier encore une fois. Amen. Amen. I thank God for the love of my bishop. Je dis merci à Dieu pour la vie de mon bishop.
When I came to Reformed Church, quand je suis revenu à l'église de la flamme, I met him. Je l'ai rencontré. He's on fire for God. Il était en feu pour Dieu. Up to now. Jusqu'à maintenant. Hallelujah. Hallelujah. The hand of God is upon him for good. Et la main de Dieu est sur lui pour le bien. I fall into so many places. Je l'ai trouvé dans plusieurs endroits. All the prophecy, anything that he said, all come to pass. Toutes les prophéties qu'il a données, elles se sont toutes réalisées. And by the grace of God, et par la grâce de Dieu, I'm working at his senior brother. Je travaille sous son aîné. Amen. Amen. I've been watching you guys from Facebook, everything, the 40 days people have done. I watch everything. Je vous suis depuis Facebook, même les 40 jours, j'ai tout suivi. Hallelujah. Hallelujah. Pastor Philip is a friend. Parce que Pastor Philippe est un so ami. I want to tell you that you are at the right place. Je veux juste vous dire que vous êtes au bon endroit. Doing the right thing. Faites la bonne chose. With the right people. Avec les bonnes personnes. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Bless you, Pastor Gideon. Je vous bénisse, Pastor Gideon. Well, people of God, you are all welcome to this 3 days park anointed, and I call it a school to recover. Peuple de Dieu, vous êtes bien tous les bienvenus à ce programme condensé ou moins que j'ai appelé le recouvrement. Now, this morning, by the grace of God, we were at the forest and we have some prayers. After the prayers, God inspired me to talk to the people who were there. Ce matin, nous étions à la forêt et après la prière, le Seigneur m'a inspiré pour parler à ceux qui étaient. And it pains me that we couldn't record it. Et cela m'a fait mal qu'on n'a pas pu l'enregistrer. People who were there, were you not blessed? Vous qui étiez, n'étiez pas vous bénis? Tomorrow, by the grace of God, we will do same again. Demain, par la grâce de Dieu, nous ferons encore la même chose. By 6 o'clock, you leave the house so that by 6:30 you are in the bush. Tu quittes la maison pour qu'à 6h30 tu sois déjà à la forêt. At least there's a solid 2 hours prayer by yourself. Parce qu'il y a 2 heures condensées de prière par toi-même. Alléluia. Toi-même. Alléluia. After you finish, we call you. Et quand tu auras fini ça, on rassemble tout le monde. And if there's a word, we share. Et s'il y a une parole, alors nous la partagerons. Amen. Amen. People of God, we have come to the junction of decision. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés à un carrefour de décision. When you give your life to God, you are not playing and God was not playing. Quand tu donnais ta vie à Dieu, tu ne jouais pas et Dieu ne jouait pas non plus. Life is just like a market. Nobody goes to market and play. La vie est comme le marché, personne n'y va et s'amuse. Life is business and you must take it serious. La vie est une histoire d'affaires et il faut la prendre au sérieux. In the market sector, when you look at women in the market, at times you think they have psychological problems. Quand tu vas dans le marché, quand tu regardes les femmes, tu as l'impression qu'elles ont un problème psychologique. When you see a woman selling a tomatoes, she must cook another attitude around the tomato in order for the buyers to come for it. Quand tu vois une femme qui vend les tomates, elle doit s'arranger dans une attitude pour que les clients viennent acheter la tomate. If they will not sing what they are selling, they will call you a sweet name to come and buy. Si elles ne chantent pas pendant qu'elles vendent, elles vont t'appeler des doux noms pour que tu viennes acheter. Why are they doing that? Pourquoi est-ce qu'elles le font ici? They know that if they don't maneuver find a way to sell their product, nobody is carrying because there are other alternatives. Pourquoi le font-ils? Parce qu'elles savent que si elles ne le font pas de telle manière, il n'y aura pas de clients parce qu'il y a d'autres aussi qui vendent ce qu'elles vendent. You have not come to life to watch. You come to fulfill life. Tu n'es pas venu dans la vie pour observer, mais tu es venu pour l'accomplir. You didn't hear me. Tu ne m'as pas entendu. It's like I'm talking to wrong people. C'est comme si je parle à les mauvaises personnes. I've come prepared. Je suis venu bien préparé. As a matter of fact, what I have on my waist is not belt. It's a rope. Parce que ce que j'ai à mes reins, ce n'est pas une ceinture, c'est plutôt une corde. This trouser will not fall. Et donc ce pantalon-là ne tombera destiny pas. Must change. La destinée doit changer. There must be a transformation. Il doit avoir une transformation. My Edward, Yamisha, God bless you. Dieu te bénisse. This one will not go to the church offering. Come, let me lay my hands. Bien que je te pose. My Edward, these 3 days. Je suis très déterminé. You are blessed in Jesus' name. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Amen.
You have not come to life to watch. Tu n'es pas venu dans la vie pour observer. You have come to fulfill destiny. Tu es plutôt venu pour accomplir une destinée. So in the market setter. Et donc dans le marché. When you see women. Quand tu vois les femmes. Somebody selling pepper. Quelqu'un qui vend le piment. You realize that there are a lot of others who are selling the same thing. Tu te rends compte qu'il y a plusieurs qui vendent la même chose. And in African market. Mais dans les marchés africains. They don't arrange them. On ne les arrange pas. Où. While you are entering the market, quand tu rentres dans le marché, there's a pepper seller there. Il y a vendeur de piment. So the person inside, la personne à l'intérieur, is not playing. N'est pas en train de jouer. If you come around his table, et si tu viens devant sa table, whether you bought it or you didn't buy it, que tu l'achètes ou pas, he wants to have a contact with you. La personne veut avoir un contact seulement avec toi. Ask yourself. Demande-toi. Why do you buy from the table you have been buying from? Pourquoi tu achètes à la table où tu as l'habitude d'acheter? Because most of the time when you go to Domi market, parce que la plupart du temps quand tu vas au marché de Domi, what you are looking for is just at the roadside. Ce que tu cherches là, c'est juste au bord de la route. But you want to go inside. Mais tu veux aller dedans. Somebody will enter inside to look for you. Quelqu'un va aller à l'intérieur pour te chercher. I said somebody will pass people to look for you. J'ai dit quelqu'un va dépasser les gens pour venir te chercher. Somebody will dodge people to look for you. Quelqu'un va éviter les gens pour te receive chercher. Receive it in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Receive it in the name reçois of Jesus. Au nom de Jésus. Look at what we are doing, church. Regarde où on fait l'église. People pass somewhere to come here. Les gens passent quelque part pour venir ici. Are you don't get it? Ou bien tu ne l'as pas remarqué. They pass somewhere to come here. Passent quelque part, ils dépassent des endroits pour être ici. 21 people on Facebook live. 22 personnes sur Facebook en direct. We are not the only video there. Nous ne sommes pas les seuls directs sur Facebook. There are competition in life. Il y a des compétitions dans la vie. What you have, there's somebody who have it better than you. Ce que tu as, quelqu'un l'a mieux que toi. So if you lose guard, they will play you. Alors si tu perds, alors on va dire si tu perds l'attention, ils vont jouer. In these 3 days, dans ces 3 jours, it's a time of decision. C'est un temps de décision. It's a time to say God, enough is enough. C'est un temps pour dire Dieu assez, c'en est assez. And to tell the devil back off. Et de dire à l'ennemi recule. Say devil back off. Dis ennemi recule. Devil back off. Démon recule. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. A guy with the name Jephthah. Un homme avec le nom Jephthah. Jephthah was born to a man that is from the tribe of Israel. Jephthah est né d'un homme de la tribu d'Israël. But from a woman that is not the legitimate wife of that man. Mais d'une femme qui n'est pas la femme légitime de cet homme. And for that matter, they robbed him of his inheritance, even though he was the firstborn. À cause de cela, on l'a volé son héritage bien qu'il ait été le premier. While his father was alive, he was part of the family. Pendant que son père était en vie, il faisait partie de la famille. But when the father died, mais quand le père est mort, the children of his biological father, les enfants de son père, ses frères biologiques, they sacked him away. Ils l'ont chassé. When he wanted to defend his cause, quand il a voulu défendre sa cause, they say you are the child of a harlot. On lui a dit que tu es l'enfant, tu es l'enfant. I have come tonight to tell somebody. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un. In recovering. Dans le recouvrement, you must act like Jephthah. Tu dois agir comme Jephthah. In recovery, dans le recouvrement, who has given birth to you? Qui t'a donné naissance? Does not matter. Peu importe. Where you were born? Où que tu sois né? It does not matter. Cela importe. The school you couldn't attend? L'école que tu n'as does pas not matter. Cela n'importe. If only you can take love serious, si seulement tu veux prendre la everything vie can change around. Les choses vont tourner en ton bonheur. And Jephthah the second. Et Jephthah a été chassé. And he went away. Il est parti. Why he went away? Quand il est allé, he trained himself. Il s'est entraîné. In what God has put in him. Dans ce que Dieu a mis en lui. Il s'est and formé the Bible said. Et la Bible dit. He became a man of valor. Il est devenu un homme de valeur. He became a man of war. Il est devenu un homme de guerre. Why he was living away from his family. Pendant qu'il vivait loin de sa famille. But it's only time that discover whether you were recovered or not. C'est le seul temps qui par lequel tu découvres si tu vas retrouver ou pas. The young men sack him. Les jeunes gens l'ont chassé. But when situation turned on their town. Mais quand les situations se sont renversées contre eux. The old men said we have to look for our son. Alors les vieillards ont dit on doit chercher notre fils. The young guy say you are not part of us. Les jeunes disent toi tu fais pas partie de nous. But the old man
went out. Mais les vieillards se sont levés. It's an old man who can tell you who is your mother, who is your father if you don't know them. C'est un vieillard qui peut te dire qui est ton père ou ta mère si tu ne les connais pas. They followed to him. Alors ils sont allés le chercher. And when they saw him, quand ils l'ont vu, they said we are in war. Lui ont dit nous sommes en guerre. And we are not winning. Et nous perdons la guerre. But we have heard of you. Mais on a entendu parler de toi. Even though you were a harlot son. Bien que tu es l'enfant illégitime. Even though we robbed you of the inheritance. Bien qu'on t'a volé de ton héritage. Even though we didn't treat you well. Bien qu'on ne t'ait pas bien traité. Instead of being bitter in the corner. Au lieu d'être bien dans le coin. Listen to what Jephthah said. Écoute à ce que je t'ai dit. He said, "When you sacked me." Il dit quand vous m'avez chassé. I took my own life in my own hand. J'ai pris ma propre main. If you can carry your own life in your own hand. Si tu peux prendre ta propre main. By the grace of God. Par la grâce de Dieu. With no time, avec those who sack you will look for you. Those who reject you will go for you. Receive grace for change. Receive grace for transformation. Shout, I receive it. They went back to him. People of God, it's humility. It's humility. That will not allow her to say something. Ne va pas nous permettre de dire certaines choses. Among my coequals, I have not failed. Parmi mes égaux, ma promotion, je n'ai pas échoué. He know how I was. Lui il sait comment est-ce que j'étais. When we were starting Oasis of God, a woman of God called me that this is not the time to open a church. Quand that doesn't succeed. Quand on a commencé Oasis de Dieu, une femme appelée dit c'est pas le temps de commencer parce que ça va pas réussir. The woman said, "If you like, I will give you a car and give you a branch." Et la femme m'a dit si tu veux, je te donne un véhicule et je te mets sur une branche. And I turned to her. Alors je me suis tourné vers elle. I said, "Give me 1 week." Je lui ai dit donne-moi une semaine. Mm-hmm. The 1 week is a respect to her. Une semaine était un respect pour elle. When I returned, mais quand je me suis retourné, he said, "Philip." Elle a dit Philip. Meaning, say one come, one bon paye nous. Je savais pas, je sais pas où tu allais prier. I know you didn't pray. Je sais que tu n'as pas prié. Because I know you are a determined person. Parce que je sais que tu es une personne déterminée. But I want to tell you. Mais je veux te dire. This is not the time to start a new church. Ce n'est pas le temps pour commencer une nouvelle église. It will be hard for you. Ce sera dur pour toi. 10 years down the line. 10 ans après, now. If you want to count the branches, we have 10. Si on veut compter les branches, on en a 10. Après 10 ans. We are not only preaching in English, French. On prêche pas seulement en anglais, mais aussi en français. When you are determined, quand tu es déterminé, even men cannot discourage you. Même les hommes ne peuvent pas te décourager. When you are determined, quand tu es déterminé, even your weakness become your power. Même tes faiblesses deviennent une puissance pour toi. When you are determined. Quand tu es déterminé. So these 3 days, people of God. Alors pendant ces 3 jours, peuple de Dieu. This is not the time to say my leg does not allow me. Traffic is in town. C'est pas le moment de dire non, mon pied ne me permet pas. Il y a de l'embouteillage en ville. Before I read you a scripture, avant que je ne te lise l'écriture, I want you to listen to this statement. Je veux que tu écoutes ce propos. You have the power to say. Tu as la puissance pour dire. This is not how my story will end. Ce n'est pas ainsi que mon histoire s'achèvera. Are you hearing me, somebody? Est-ce que tu m'as entendu, quelqu'un? You have the power to say. Tu as la puissance pour dire. This is not how my story will end. Ce n'est pas ainsi que mon histoire s'achèvera. Are we in church or we are in cemetery? Sommes-nous à l'église ou au cimetière? The Bible said there's life in your tongue. La Bible dit qu'il y a la vie sur ta langue. Those who love it will eat the benefit thereof. Ceux qui l'aiment vont alors en manger les fruits. In other words, en d'autres mots, there is life in you that can lift you if you can speak it on yourself. Il y a la vie en toi qui peut te lever si seulement tu peux la dire, la déclarer. You have the power to say this is not how a story will end. Tu as le pouvoir
l'espoir de dire, ce n'est pas ainsi que mon histoire va s'achever. People are watching you. Les gens t'observent. Les gens te regardent. You know, normally in life, vous savez, normalement dans la vie, it's when you fail before you know how people esteem you. C'est quand tu échoues, c'est alors que tu réalises combien les gens t'estiment. Most of the time, la plupart du temps, while you are doing well, quand tu fais bien, you don't get people to come and congratulate you. Tu ne trouves personne pour venir t'encourager, te féliciter. Don't be discouraged. Ne sois pas découragé. Did you hear me? Est-ce que tu m'entends? That's why when you fail or something before someone say, "Hey, we've been watching you. Your prayer life encourages us." C'est pourquoi? Move on. Quand tu fléchis, quelqu'un te dit, on t'observait ou ta prière de vie nous encourageait. Avance. Ne t'arrête pas. You have the power to say, this is not how my story will. Tu as le pouvoir de dire, ce n'est pas ainsi que mon histoire va s'achever. Recovering is not a race. Retrouver ou recouvrer, ce n'est pas un risque. And you don't need to feel guilty if it takes long. Et tu n'as pas besoin de te sentir coupable si cela dure longtemps. Hello? Recovering, le recouvrement, le fait de retrouver, it's not a risk. Ce n'est pas un risque. So you don't need to feel guilty. Tu n'as pas besoin de te sentir coupable. If it take long. Si cela dure, si ça traîne. Meaning that recovering cela takes process. Que le fait de récupérer prend un processus. Some of you know agriculture. Ceux d'entre vous qui connaissent l'agriculture. When a land is dead. Quand la terre est alors morte. When they want to give life to the quand earth. Quand on veut donner la vie à la terre. There are things to do. Il y a des choses qu'il there faut are things faire. To put on it. Il y a des choses qu'il faut mettre sur la terre. And it takes time for the earth. Et cela prend aussi le temps pour la terre to come back to life. De pour revenir à la vie. Are you hearing me, somebody? Est-ce que quelqu'un m'entend? So recovery is not a race. Alors le recouvrement ou retrouver n'est pas un risque. You don't need to feel guilty if it takes long. Tu n'as pas besoin de te sentir coupable si cela dure. Because the problem with recovering, parce que le problème avec le recouvrement ou le is the process to recover. C'est un processus pour y arriver. Le problème de reprendre, hein, recouvrir. Recouvrir. C'est les procédures où tu vas passer. C'est ça qui est le problème. The problem with recovery is a process to recovery, to recover. When people calculate the price they have to pay. Quand les gens calculent les places qu'ils doivent payer. There's a proverb that says a thousand miles start by a step. Il y a un proverbe qui dit que des milliers de kilomètres commencent par un pas. You know, some of you are still taking trottro. Certains d'entre vous, vous continuez à emprunter les transports en commun. Some of you are still taking trottro. Certains d'entre vous qui continuez toujours à emprunter les transports en commun. When you are in the bus stop, quand tu es à l'arrêt du véhicule, and people were there but there's no car, et que les gens sont là et qu'il n'y a pas de véhicule, and somebody among you decided to start walking, et quelqu'un parmi vous décide alors de marcher. While you are waiting for the car, pendant que tu attends le véhicule, even when you get a car, même si tu trouves le véhicule, you see that that small step the person take, tu vas te rendre compte que ce petit pas là, ce petit pas que l'autre a fait, carry him about 15 minutes away before you can join him by car. L'ont déjà propulsé à 15 minutes en avant que toi tu ne trouves le véhicule. The way God has created us, de la façon dont Dieu nous a créés, is to move forward. Et cela nous demande d'avancer. To confront things. C'est de faire face aux choses. Tonight is not the night like somebody take it. Yes, they take it, but we are taking it back. Yeah. Cette nuit n'est pas une nuit où, si tu veux, quelqu'un l'avait déjà pris, mais on va la récupérer. In Luke chapter 15, the verse 8. En Luc chapitre 15, verset 8. Luke chapter 15, the verse number 8. Luc chapitre 15, le verset 8. And read it up to 10 quickly. Luke chapter 15, jusqu'à verset 10. Or what woman, having 10 silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? And when she
She has found it. She calls her friends and neighbors together, saying, "Rejoice with me." Somebody, we will rejoice with you. Quelqu'un va se réjouir avec toi. Like when Barbara found her husband, we rejoice with her Saturday. Et quand Barbara a trouvé son mari, on s'est réjoui avec elle le samedi. When Timothy found a wife, we rejoice with him quand Saturday. Timothée a trouvé sa femme, on s'est réjoui avec lui le samedi. You are getting a house, we rejoice with you. Tu obtiens une maison, on va se réjouir avec toi. You are getting a business, we rejoice with you. Tu obtiens une affaire, on va se réjouir avec toi. You are having a child, we rejoice with you. Tu as un enfant, on va se réjouir avec toi. Mr. Anthony just got another child, we rejoice with them. Monsieur Anthony a juste eu un autre enfant, on s'est réjoui avec eux. When she found it, there's a joy, there's a party. There's a party you must invite me to, and I'm ready for it. Quand elle a trouvé, il y a une joie, il y a une Amen. Célébration à laquelle tu dois m'inviter, et j'attends cela. And they rejoice with him. Et ils se sont réjouis avec elle. You finish? No, please. And when she has found it, she calls her friends and neighbors together, saying, "Rejoice with me, for I have found the peace which I lost." Mm-hmm. You go find the thing, oh. Tu vas trouver la chose, oh. That missing thing, you will get them. Cette chose perdue là, tu vas la retrouver. Hein? Yeah. I said that missing thing, you will get them. Je dis cette chose perdue, tu vas la retrouver. Some of us, if we enter trotro. It's for pleasure. Certains d'entre nous, si on rentre dans le transport en commun, c'est juste pour le plaisir. Oh, we want. You know, God has moved and we didn't know. Dieu nous a fait donner de l'avance, mais on s'en rend pas compte. Some of you, if I ask you, what's the last time you entered Trotro? There are people here 2 years, 5 years. They can't even remember. Certains d'entre vous, si vous demandez quelle était la dernière fois que vous avez emprunté le véhicule en commun, il y a 3, 4, 5 ans, ils ne se rappellent même plus. You go. As you move from Trotro, you move from renting and you get your own also. De la façon tu as bougé des transformers en commun, c'est ainsi tu vas quitter dans les payer de loyer et alors avoir ta propre maison. Some of us, we don't suffer for credit. Certains d'entre nous, on ne souffre pas pour avoir des unités dans nos téléphones. Our phone is richer than yours. Hein, nos téléphones sont bien riches que les vôtres. We are feeding it. On les remplit. Some people, when they WhatsApp you, they WhatsApp you, they off the data. After they WhatsApp, they off the data. Il y a des gens, quand ils t'écrivent sur WhatsApp, quand ils finissent, ils arrêtent les données. Don't really say it's still in that junction. Qui est encore à ce carrefour là où tu écris et puis tu arrêtes la connexion là? They just, they'll make sure, they'll send plenty of messages and on the data. When they went to the office, ils s'arrangent à envoyer beaucoup de messages en même temps et quand ils voient net, ils arrêtent. When you send them video, they say, quand tu envoies vidéo en même temps, voici là. La complainte. To download, they want to see, is it a proper video? Should I? Pour même télécharger la vidéo, ils vont d'abord l'observer pour voir si c'est une vidéo qui les intéresse. The Lord's changing our life. Le Seigneur a changé nos vies. Now, in Luke chapter 15. Maintenant, en Luc chapitre 15. The Bible spoke about a woman. La Bible a parlé d'une femme. That have 10 pieces of silver. Qui avait 10 pièces d'argent. But people of God, le peuple de Dieu, we don't know what happened before one of the silvers got missing. On ne sait pas ce qui s'est passé avant que l'une de ces pièces d'argent se perde. The Bible couldn't tell us. La Bible n'a pas pu nous le dire. The Bible just introduced the woman. La Bible a juste présenté la femme. Say she have 10 pieces of silver. Et elle dit qu'elle a seulement 10 pièces d'argent. And one got missing. Et un s'est perdu. When you read from the verse 8, you don't understand the story behind the chapter. Quand tu lis à partir du verset 8, tu ne peux pas comprendre l'histoire qui est rattachée à ce chapitre 15. From verse 1, à partir du verset 1, there are a group of people who were accusing Jesus of dining and having friendship with sinners. Il y avait un groupe de personnes qui accusaient Jésus de dîner ou de manger et d'avoir des relations amicales avec des pécheurs. The Pharisees and the scribes. Les pharisiens et les scribes. They murmured against Jesus. Et ils ont murmuré contre Jésus. Because of his relationship with the publicans. À cause de sa relation avec les publicains.
Now, why they keep murmuring and accusing him? Et pendant comme ils ont continué à murmurer et à l'accuser, he has given them a parable. Il leur a donc donné une parabole. The first parable in the chapter was the parable of the lost sheep. La première parabole dans le chapitre est la parabole du Seigneur, de la Seigneurie, si vous voulez. The lordship, la Seigneurie. Now, telling them that, leur disant que, a shepherd when he have 100 sheep, qu'un berger quand il a 100 brebis, when one is lost, quand une brebis est perdue, he leave the 99, il va abandonner les 99, and go for that one. Et il va aller chercher la seule brebis. Follow me carefully. Suivez-moi attentivement. Everybody that is born of God. Toute personne qui est née de Dieu. God has created you in a certain totality. Dieu t'a créé dans une certaine totalité. If one is missing in it, you can't fulfill destiny. Si un se perd dans cette totalité, tu ne peux pas alors réaliser ta destinée ou l'accomplir. Are you hearing me somebody? Est-ce que tu m'entends quelqu'un? The reason why God has given you 2 ears, he wants you to be balanced. La raison pour laquelle Dieu t'a donné 2 yeux, il veut que tu sois équilibré. The reason why you have 2 eyes, God have a plan for it. 2 oreilles, c'est pour que tu aies un équilibre. 2 yeux, Dieu a un plan pour cela. And where God has placed the eye, the ear, the nose, the mouth, God deliberately put it there for a certain purpose for you. Et là où Dieu a mis les yeux, la bouche, les narines, les oreilles, Dieu l'a fait exprès. Pourquoi? Parce qu'il y avait un objectif pour toi. There is something about you. Il y a quelque chose te concernant. That you can't lose. Que tu ne dois pas perdre. And in the forest today, I told them that you cannot recover till you can discover. Et dans la forêt, je leur ai dit, tu ne peux pas retrouver tant que tu ne découvres pas. Without discovering, there's no recover. Sans découvrir, il n'y a pas de retrouvement. You must discover in order to recover. Tu dois découvrir afin de pouvoir récupérer. When we were young, there's a game we were playing called Pilolo. Pilolo. Quand on était petit, il y avait un jeu qu'on appelait Pilolo. The Pilolo game, there's something they had if you are 5. Le jeu de Pilolo, il y a quelque chose, peu importe. Bon, si on they can carry 5 stones. Il peut prendre par exemple 5 pierres. Because you are 5. Parce que vous êtes 5. And they hide it somewhere. Ils vont cacher les cailloux là quelque part. And they call the 5 of you out. Et vous appelez vous les 5 autres venir. Everybody will be looking for. Chacun va commencer à chercher pour lui. If you find it, quand tu trouves, you don't tell the other 4. Tu ne dis pas les 4 autres que tu as trouvé pour if toi. If you find it, you just remove yours in it. Quand tu as trouvé, tu prends pour toi et tu gardes. And be showing people. Et tu es là, tu fais comme ça. Miami dia oh. J'ai eu pour moi oh. And then, when one person find it, everybody know that the thing is not far. Et quand une personne trouve, tout le monde se rend compte que la chose n'était pas loin. What it tells you if you have a witch friend, a witch brother in Pilolo? Ah, gare à toi si tu as un ami sorcier dans le jeu de Pilolo. Those lefty, when they had it, you can't see it. Lefty. Ces gens, ces gauchers là, quand eux ils cachent, tu ne peux pas trouver. Les gauchers. You will look for it till tu vas chercher jusqu'à avoir mal à la tête. But it's just like Pilolo. Mais c'est comme Pilolo. Whoever found it is out of ridicule and mockery. Le Pilolo, ça c'est que c'est un jeu de cacher retrouvé. Je vais juste dire ça comme ça. And whoever found it, you are free from ridicule. Quiconque a trouvé pour lui là, il est donc on va dire il est hors de tout ce qui est punition dedans. So he was telling them. Alors je leur disais. The 91 can be abandoned. Jésus leur disait, les 99 peuvent être abandonnés là. For one. À cause de un. Hear me. Écoute-moi. What is that teaching us? Qu'est-ce que cela nous enseigne? God cares for your well-being. Dieu se soucie de ton bien-être. God is not satisfied yet. For how many people that were blessed, it's not satisfied. Dieu, he wants you to also to be Dieu blessed. N'est pas encore satisfait de tous ces nombres de personnes qui sont bénies. Non, il veut que toi aussi tu sois béni. I wish above all things that thou mayest prosper, even as your soul prosper. Je souhaite que tu prospères, qu'on prospère l'état de ton âme. Now, maintenant, from the sheep, now it comes to the woman, from the shepherd to the woman.
Maintenant, on va dire des brebis, il est venu à la femme, ou on va dire du berger, il s'est retrouvé du côté de la femme. So, shepherd woman, berger, femme. And when you go down, you see the prodigal son and the father. Et quand tu vas encore plus loin dans le chapitre, tu vas rencontrer l'enfant prodigue et le père. In the same chapter, dans le même chapitre, giving parables on losses, donnant des paraboles sur ce qui est perdu. 100, one got missing. 100, un perdu. 10, one got missing. 10, un perdu. 2, one got missing. 2, un perdu. And when you look at the chapter, mais quand tu regardes au chapitre, all the character of the chapter is to recover the loss. Tout le caractère du chapitre, ou bien on va dire les personnages du chapitre, c'est de retrouver ce qui était perdu. The man, the Bible says the man have two sons. La Bible dit que l'homme avait deux fils. The Bible says the woman have 10 pieces. La Bible dit que la femme avait 10 pièces. The Bible says the shepherd have 100 sheep. Et la Bible dit que le berger avait 100 brebis. What do you have that you have lost? Qu'est-ce que tu as et que tu as perdu? What do you have and you have lost? Qu'est-ce que tu as et que tu as perdu? You know, if you have a million, vous savez quand tu as un million, and you remove one from it, que tu enlèves seulement un, it's no more a million. Ce n'est plus un million. N'est-ce pas? Just one define your status of million. À cause de un, hein, te rabaisse de ta position de million. Un seulement. One of the things women lose and lost easily is their hair. Une des choses que les femmes perdent et perdent facilement, c'est les cheveux. Ce sont les cheveux. While they comb their hair, they give it to the comb. Quand on peigne les cheveux, elles donnent ça au peigne. Not women. Ce n'est pas nous les hommes. Yes. N'est-ce pas? If a woman wants to comb their hair will go. Si une femme veut peigner ses cheveux, les cheveux là, certains vont partir. And they don't think of, okay, let me get a comb that will not take my hair. They will be doing it till a woman will become bad. A woman, your head is gone. There's a motorway on your hair. Et quand elles le font, elles ne vont pas penser, il me faut trouver un peigne qui ne va pas m'arracher les cheveux, mais elles vont le faire de sorte qu'elles deviennent chauves. Now, coming back to the woman in the story. Revenons à la femme dans l'histoire de la Bible. In the old Palestinian family life, dans l'ancienne vie palestinienne, when there's a wedding, quand il y a un mariage, one of the gift, like today, people give wedding ring and those things. One of the gift they give to the woman is the 10 pieces of silver. L'un des dons qu'on donne à la femme, comme aujourd'hui d'autres donnent des bagues et autres, c'était 10 pièces d'argent. It's a price and it's memorable. C'est un prix mémorial. It's something that you receive on the day of your celebration. C'est quelque chose que tu reçois le jour de ta célébration. So passing by that research, it showed me that the woman was a married woman. Pensant par cette recherche, je me suis rendu compte que la dame était une femme mariée. Because she have the gift that changes her status from singlehood to marital life. Parce qu'elle a obtenu un don qui a changé son statut du célibat à une femme mariée. Just like you finish your first degree, there's a certificate over it that prove that you finish. C'est comme quand tu finis, on va dire ton master, ton premier degré, il y a un diplôme qui doit être délivré. Just because you buy a car, by buying a car or buying a property, there's a receipt that prove that of a truth. This thing. C'est comme acheter une voiture ou un terrain. Il y a un reçu qui atteste qu'il y a eu un changement et quelque chose t'appartient. Now that money et cet argent of a glory est de la gloire. One got missing. Un est perdu. I beg you. Je vous en prie. Take care of the things God have made you to become. Prends
prends soin des choses que Dieu t'a fait devenir. When grace establishes you, don't disgrace your grace. Quand la grâce t'établit, ne défie pas ou ne salis pas la grâce. David understood. David l'a compris. That he was nobody. Qu'il n'était rien. That he was great, that appointed him king. C'est la grâce qui l'a fait roi. So when he carried the ark of the covenant, et donc quand il a pris l'acte de l'alliance, he was dance every dance he can think il of. Il dansait tous les pas qu'il pouvait faire devant l'arche. But Saul's daughter, who has not known the difference between grace, mais la fille de Saül qui ne connaît pas la différence entre la grâce, was at a window of pride and arrogance. Elle était à la fenêtre de l'orgueil. While gazing on the street of Jerusalem, quand David dansait dans les rues de Jérusalem, while the angel and God himself is standing for him, pendant que les anges et Dieu lui-même se sont tenus pour lui, there's one girl who doesn't understand grace. Y a une fille là qui ne comprend pas la grâce. Was looking down on the king. Et elle a méprisé le roi. Say, how can you dance and your regalia? Kingship regalia is falling before people. Comment peux-tu danser et puis ton manteau de roi peut tomber devant les gens? But she didn't understand that before King Saul there was King of Kings. Mais elle n'a pas compris qu'avant le roi Saül il y avait le roi des rois. The difference between David is that David knows I'm the king, but there's a king that appointed me to be king. La différence entre lui et David c'est que David savait que je suis roi, mais il y a un roi qui m'a alors nommé. David knows I'm a king. Bien que je suis roi. Because of that king, that's why I'm here. À cause de ce roi là, c'est pourquoi je suis là. And this woman looked down upon the husband. Et cette femme là a méprisé son époux. Why? Pourquoi? He doesn't know what get into, what make her. Parce que elle a princess pas, and the queen. Elle ne sait pas ce qui a été inclus pour qu'elle soit princesse. She have femme de roi. One of the best opportunity any woman in life would have. Elle avait l'une des meilleures opportunités que une femme quelconque pourrait avoir sur la terre. She became a princess because she had a father that was. Elle est devenue princesse parce qu'elle avait un père qui est roi. But the father couldn't transform her to become a queen. Mais le père n'a pas pu la transformer à devenir reine. By marrying David. Mais par le fait de marier David, he became a queen. Elle est alors devenue reine. But she couldn't understand. Mais elle n'a pas pu le comprendre. She believed that her beauty got her there. Elle pense que c'est sa beauté qui l'y a mis là. She believed that her knowing how got her there. Elle pense que c'est sa connaissance qui l'y a mis ou qui l'a placé. And God said, I will show you. Et Dieu lui a dit, je vais te montrer. You can be the princess. Tu peux être princesse. You can become a queen. Tu peux devenir reine. But I'm closing your womb. Mais je ferme tes entrailles. And she have never screamed in labor till she died. Elle n'a jamais pleuré les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce qu'elle meure. Because she couldn't value. Parce qu'elle n'a pas what pu she have. Valoriser ce qu'elle a. What's the value of the coin or the silver coin? Quelle est la valeur de la pièce d'argent? In today's calculation, people. Dans les calculs de nos jours. A lot of people have school of thought. Beaucoup de gens ont des écoles de pensée. Other people say $250. Other people say $300. Others say $120. D'autres parlent de 250, d'autres parlent de 300, d'autres parlent de 120 ou bien sûr le 1200. I went to do a lot of research to know. I want to know the weight of the coins. I want to know the size of the coins, but I couldn't get something that satisfied me to give to you. Je suis allé faire des recherches pour connaître la valeur, l'équivalence de cette pièce là, mais j'ai pas trouvé quelque chose de satisfaisant pour te donner. But the question is. Mais la question est. What is that silver coin? C'est quoi donc cette pièce d'argent? The only thing I can get to give you is value. C'est value. La seule chose que je peux te donner, c'est la valeur. Dis la valeur. If you don't know a value of a thing, you misuse it. Si tu ne connais pas la valeur d'une chose, tu vas alors mal l'utiliser. I was telling the people in the forest today that God does not create a new thing to give you now. Everything that you need. God does not live in regret, like, oh, yeah. I have to do this for Philip. No. Everything for Philip, God has finished everything. He's waiting for me to discover. Je disais aux gens aujourd'hui dans la forêt qu'il n'y a rien de nouveau te concernant que Dieu va faire. Pour qu'il n'est pas dans les oublis, pour dire, ah, je devais faire ceci pour Philip. Non. Tout ce qui te concerne, Dieu les a déjà établis et faits. To recover, pour retrouver,
You must know the value of the thing. Tu dois d'abord connaître la valeur de la chose. N'est-ce pas? The value. La valeur. So the value of the coin, what is the coin? The coin is a value. C'est quoi la pièce? La pièce, c'est la it's valeur. What the coins represent that push her into searching and to recover. C'est ce que représente la pièce qui l'a emmenée dans les recherches et dans le retrouvement. People of God. Peuple de Dieu. I realize that praying is easier. Je me suis rendu compte que prier est facile. When you know the value of what God has made you, quand or tu, what He wants to do with you. Quand tu connais la valeur de ce que Dieu t'a fait ou ce qu'il veut faire avec toi. Sanctification is easy. La sanctification c'est facile. If you know the value of it. Si tu connais sa valeur. Be at peace with God. Être en paix avec Dieu. If you know the value of it. Si tu connais cette valeur, you see for it. Tu vas alors chercher la paix avec Dieu. The missing coin is a value issue. La pièce perdue est une question de valeur. Think about it. Pense alors à cela. The missing coin was so valuable to the sender, it caused to own lights to look for it. La pièce perdue a tant de valeur qu'il faut donc allumer la lumière pour la chercher. Number two. Deux. It was so valuable. Elle a tellement de valeur that they had to buy a broom. Il lui faut acheter un balai. Number three. Trois. We had to hire somebody to sweep. On doit louer quelqu'un pour balayer. May I tell you something? Puis-je te dire quelque chose? Don't be available, but be valuable. Ne sois pas disponible, mais sois valeureux. Yo, Timothée, où est Lady? Le mot là. Ne sois pas disponible, mais sois valeureux. Don't be available. Ne sois pas disponible. Be valuable. Mais sois valeureux. There are a lot of available useless goods and available useless personalities. Il y a trop de personnes disponibles, inutiles et de personnalités disponibles dans le même sens. Don't be available only, but be valuable. Ne sois pas disponible, donc ce qui veut dire ne sois pas accessible seulement, mais sois valeureux, aie de la valeur. I can't preach this one. I have to talk to you. Je ne peux pas prêcher ça. Il me faut te parler. What is your value? Quelle est ta valeur? Our value is not what we wear. Notre valeur n'est pas ce que nous portons. Neither in the shoe. Non, pas dans les chaussures. A value of a man is seen in his character. La valeur d'un homme, elle est observée ou vue dans son caractère. Le caractère determine your behavior before a temptation, confrontation, and situation. Détermine ton attitude ou ton comportement devant la confrontation, la tentation. Hear me. Écoute-moi. A temptation resisted. Une tentation à laquelle tu résistes is the true measure of your value. Est la vraie valeur ou la vraie mesure de ta valeur. What you fall for and what you resist determines your value. Ce dans quoi tu chutes et ce à quoi tu résistes. The reason why you be disappointed in the brother, la as a result of fornication, most of the time it's not the person but who he was in your eye, in your heart.
How you value him, that make the disappointment. It's not atom the ashen. Say, how do you bring yourself low to this? Et ce qui décourage quand on a du respect pour un frère, ce n'est pas le fait qu'il est forniqué pour chuter, mais qui est-ce qu'il représentait à tes yeux jusqu'à qu'il puisse se trouver si bas à ce niveau. So temptation resistance is a true measure of your value. Une tentation résister ou à laquelle tu résistes est la vraie mesure de ta valeur. Think about it. Pense à cela. Normally in life, normalement dans la vie, we put things on ourselves to have a value. On met les choses sur nous pour avoir de la valeur. That's the world definition. Ça c'est la définition du monde. The brand you wear, people want to pass through it to have a value, but they don't get it. Les choses qui sont exposées ou bien qui brillent, que tu portes, les gens veulent y avoir pour avoir de la valeur, mais ce n'est pas ça qui a la valeur. A temptation resisted. Une tentation à laquelle tu résistes is a true measure of your value. Est la vraie mesure de ta valeur. So don't be available, but be valuable. Ne sois pas disponible ou accessible seulement, mais sois valeureux. Aie de la valeur. Jephthah was not available. Jephthah n'était pas seulement disponible, but was valuable. Mais il avait de la valeur. So they looked for him. Alors on l'a recherché. David was not available in war. N'était pas disponible dans la guerre. But the number one prophet in town. Mais le premier prophète dans la ville. Travel to his hometown. Travel to his village. Qui a voyagé dans son propre village. Looking for the anointed man. Cherchant l'homme oint. While they were making mistakes. Pendant qu'il faisait des erreurs. He was still at the bush. Il était encore dans la brousse. The end of the story was, la fin de l'histoire était, I'm not sitting down if he doesn't come. Je ne m'assois pas si le concerné what ne vient a value pas. Of just a shepherd boy. Quelle valeur avait juste un jeune berger? Stop cursing your parents. Arrête de blâmer ou de maudire tes parents. Stop cursing the land by which you were born in. Arrête de maudire la terre sur laquelle tu es né. I love Africa. J'aime l'Afrique. Oh God, give me Africa. Seigneur, donne-moi l'Afrique. I'm not joking. Je ne plaisante pas. You see, when you know your destiny, voyez, quand tu connais ta destinée, you know your value. Tu connais alors ta valeur. You speak the way I speak. Tu parles de la façon dont je parle. David was not available in the house. David n'était pas disponible dans la maison. But value make the prophet couldn't sit down. Mais sa valeur a amené le prophète à ne même pas s'asseoir. Can we go and see God's value? Pouvons-nous aller chercher la valeur de Dieu? The world in the marketplace is overvalued, not over quantity. On va dire la bataille au marché n'est pas au niveau de la quantité, mais au niveau des valeurs. Even when your money is small, you want to get something valuable. Même quand ton argent est peu, tu veux acheter quelque chose de valeur, qui a de la valeur. And we are all even happy. Even when your money is small, you get something valuable. You look at the way you feel honored yourself. You see, if you can get something valuable, even when the money is small. Mais quand ton argent est peu et puis tu as trouvé quelque chose de valeur, regarde comment tu es content, tu te célèbres toi seul. When somebody dashes something valuable, you see the person how the person valued you. Quand quelqu'un te donne quelque chose qui a de la valeur, tu vois comment la personne t'estime.
Comment est-ce que la personne te valorise? I know you are born again. Je sais que tu es né de nouveau. But most of us, our born againism is just to be available. Mais pour la plupart d'entre nous, notre né de nouveau, pour nous être né de nouveau, c'est juste être disponible. But we are not valuable. Mais nous n'avons pas de valeur. Benedita. Benedita. Are you valuable? Quelle valeur as-tu? Claude, are you valuable? Claude, as-tu de la valeur? Look at one man that moved out of your family or die. Look at what happened to the family. Regarde, la seule personne, l'homme unique qui est sorti de la famille qui est mort. Regarde ce qui est arrivé à la famille. One day, une chose, they nearly killed David in war. Un jour, ils ont pratiquement presque tué David à la guerre. The brothers of Goliath. Les frères de Goliath. They nearly killed him. Ils ont failli le tuer. And Joab and the rest came and rescued him. Joab et les autres sont venus à son secours. When they finish, quand ils ont fini, they say, "Oh king." Ils ont dit au roi, "From today, à partir d'aujourd'hui, you are not going to war. Tu vas plus en guerre. For you are the eye of Israel. Parce que tu es l'œil ou tu es les yeux d'Israël. Your value is too important. We cannot lose you for anything. Tu as tellement de la valeur, elle est si importante qu'on ne peut pas te perdre comme ça. You see, voyez-vous? You see this man called Philip Macaulay. Voyez cet homme appelé Philip Macaulay. God forbid. Que Dieu nous en garde. But if I'm not here, si je ne suis pas ici, anything that holds you as a family is broken. Tout ce qui te tient en tant que famille sera brisé. You'll be shocked of characters. Tu seras choqué des attitudes et des caractères. My value is a rope of unity. Ma valeur est le bâton de l'unité. Calabra, ça. Catherine Kuhlman said something. Catherine Kuhlman a dit quelque chose. He said one day she was tired. Elle dit un jour qu'elle était fatiguée. And she wanted to give up. Elle voulait alors abandonner. And according to her, she said she heard. Selon elle, elle dit qu'elle a entendu. C'est Catherine. Catherine, the work you are doing, le travail que tu fais, is a man's work. C'est un travail d'homme. I call a man. J'ai appelé un homme. But did he respond? L'homme là n'a pas répondu. And I call you. Et c'est pourquoi je t'ai appelé. If you too, you say no. Si toi aussi tu dis non, it's over. C'est terminé. C'est foutu. What is your value? Quelle est ta valeur? Do you have the value of a gossiper or a value of a liar? As-tu la valeur d'un commère ou la valeur d'un menteur? What is your value? Quelle est ta valeur? I don't know, but I was just thinking I would just come to preach you, jump with you, and we jump and receive something, but the Holy Spirit have tended to. I'm talking to you. Je sais pas, moi je pensais venir prêcher sur.
to thee, my provider, I surrender all. So give me you, everything else can wait. Give me you, I hope I'm not too late. Lord, give me you. 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 Hear me. Lord, give me you. When God created you, quand Dieu t'a créé, he have put your end glorious in your deficiency. Il a mis ta fin glorieuse dans ta déficience là, actuelle. One day in the old mission house, un jour dans l'ancienne maison missionnaire, I think my sister came and we were closing gate. Et je pense que ma sœur est venue et on essayait de fermer la porte. I know how God used her for me. Je sais comment Dieu l'a utilisé pour moi. So when she used words, some words, I know how to grab them. Donc quand elle utilise des paroles, je sais comment les saisir. And we close gate. On a fermé le portail. Say, hey. Elle dit, hey. You too, you are closing gate today. Toi aussi, tu fermes un portail aujourd'hui. Maybe she forgot. Peut-être qu'elle a oublié. Did you understand? Le comprends-tu? You too, you are closing a gate. Toi aussi, tu fermes un portail. And that word didn't leave me. Et cette parole-là ne m'a pas quitté. You too, you are closing gate. Toi aussi, tu fermes un portail. I was sleeping in my sister's hall. Moi, je dormais dans le salon de ma sœur. On the floor. À même le sol. Yes. Oui. Barbara, no, we were all tenants in the same house. Barbara, c'est parce que on était, on va dire, on était dans la même maison, la même cour. Our landlord is a Muslim man. Et notre propriétaire de maison était un homme musulman. From there. À partir de là-bas. Finally, they have to. My sister have to move to Kwabena. Et finalement, ma soeur doit quitter là pour aller à Kwabena. Their house supposed to be a story building. Leur maison est supposée être, on va dire, étage ou duplex. Things didn't move the way they have to do, so they changed their plan. Donc les choses ne sont pas passées comme elles devaient, alors ils ont changé le plan. So where the steps to the up? Là où se trouvent les escaliers pour le premier étage. That's where they convert. That was my room. C'est là qu'ils ont arrangé qui est devenu ma chambre. That's where we come from. Et c'est de là que nous sommes venus. But from that, mais de là, that's why Antivik is my Mariam. I'm Moses. She's my Mariam. Quand Antivik là, c'est ma Miriam. Moi, je suis Moïse. I remember in the family house how she dragged me. I don't want to go. Say you follow me. Je me rappelle dans la maison familiale où comme elle m'a tiré, elle dit tu vas pas là-bas. Moi, tu vas me suivre. Just obeying to follow her changed my life. Le fait d'obéir et de la suivre a changé ma vie. Why in all that you go to forest, you come to Ashoma Estate to pray? Tout cela c'est aller à la forêt, venir à Ashoma Estate pour prier. I was not glorious, but I know there's something in me that is valuable that needs to be nurtured. Je sais que j'étais pas glorieux.
glorieux, mais il y avait quelque chose en moi qui de valeur qui avait besoin d'être travaillé. What is your value? Why do you lose or lost the value? Quelle est ta valeur? Pourquoi l'as-tu perdu? Your virginity and chastity is a value. Ta vigilance ou ta justice. Virginité. Ta virginité et ta justice sont tes valeurs. Who did you lose it to? À qui l'as-tu perdu? Look at what you do to yourself in the bathhouse in the name of masturbation. Regarde à ce que tu te fais à toi-même dans la douche à cause de la masturbation. Yes. Oui. Some of you lost your value by smoking. Certains d'entre vous avez perdu vos valeurs par la cigarette. Others by drinking. D'autres par l'alcool. Temptation resisted. Une tentation à laquelle tu résistes is a true measure of your value. Est la véritable mesure de ta valeur. Be available, don't be. Be valuable, don't be available. Sois et de la valeur, ne sois pas que disponible. Now you have to know that it's only loss or losses that teach us about value of a thing at times. Par moment, c'est le fait de perdre qui nous enseigne la valeur des choses. At times, we cry our eye out when a father, a mother, a friend, a wife, a husband, a child die. That's what you know. We miss. We couldn't love them. We couldn't respect them. We couldn't honor them. We couldn't place value on them. Till it's gone. Et par moments, on pleure, les yeux sortent à gare parce qu'un frère, une mère, quelqu'un est décédé. Pourquoi on n'a pas pu les aimer comme il se fallait? On se rend compte qu'ils avaient de la valeur, mais on n'a pas pu la leur rendre. I've come to discover. Je suis venu ou je suis arrivé au point de découvrir that people who don't value you. Que les gens qui ne te donnent pas de la valeur does not mean that you don't have a value. Ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur. But they have not discovered their value, so they can't honor your value. C'est parce qu'ils n'ont pas découvert leur valeur qu'ils ne peuvent pas honorer la sienne, la tienne. The problem is not you, the problem is them. Le problème ce n'est pas toi, mais c'est eux. God himself, people of God, honor value. Dieu lui-même, peuple de Dieu, honore la valeur. He said, for your sake, I will exchange their life for it. Il dit, pour toi, je vais changer leur vie. Why did God move to Noah? Pourquoi est-ce que Dieu a allé vers Noé? He had a value. Il avait une valeur. God killed any useless thing by preserving. Dieu a tué tout ce qui était inutile, mais il a préservé Noé. People of God. Peuple de Dieu. The woman seek for the lost coin, but it was valuable. La femme a recherché la pièce perdue, mais elle avait de la valeur. Sister, can you grow in the value God has put on you? Sœur, peux-tu grandir dans la valeur que Dieu t'a donnée? Brother, can you grow in the value God has put on you? Frère, peux-tu grandir dans la valeur que Dieu a placée en toi? What is your true value? Quelle est ta vraie valeur? It's not your blue trouser. Ce n'est pas ton pantalon bleu. It's not your jalabia. Ce n'est pas ton jalabia. It's not your scarf on your head. Ce n'est pas ton foulard sur ta tête. Neither your Italiano bag. Même pas ta ton sac italien. No. Maintenant. Non, c'est pas ça. Lights has been on. La lumière a été allumée. For the lost coin. La pièce perdue. Why? Because of his value. Pourquoi? À cause de sa valeur. Do you want glory? Tu veux la gloire? The glory is the light. La gloire est la lumière. How can we own it on you? Comment est-ce qu'on peut l'allumer sur toi? If you are not valuable. Si tu n'as pas de valeur. Seek God's value than the world's value. Tu recherches la valeur que Dieu t'a donnée. Seek for God's value than the world's value. Je recherche la valeur de Dieu que celle du monde. Naomi have lost three men out of his life. A perdu trois hommes dans sa vie.
Ruth lost also 3 men out of her life. Ruth aussi a perdu 3 hommes dans sa vie. But look at the difference. Mais regardez la différence. Naomi lost the husband. Naomi a perdu son époux. Ruth lost the father-in-law. Ruth a perdu son beau-père. Naomi lost his son. Naomi a perdu son premier enfant. Ruth lost a husband. Ruth a perdu un époux. So Naomi, you lost a husband, me too, I lost a husband. Non, Naomi, tu as perdu un mari, moi aussi j'ai perdu un mari. You lost a son, it's my husband also. Tu as perdu un fils, mais c'est aussi mon époux. You lost your second son. Tu as perdu ton second enfant, ton second fils. It's my brother-in-law. C'est mon beau-frère. So Naomi lost 3 sons. Naomi, 3 men. Naomi a perdu 3 hommes. Ruth also lost. Ruth aussi en a perdu 3. Naomi's name is pleasant. Le nom de Naomi est on va dire c'est. Frère, c'est moi qui prêche, fais vite, on va aller, pardon. Le nom de Naomi, c'est ce qui est plaisant. Now, Naomi now. Maintenant Naomi. Now that he have lost everything, people didn't change her name more. People still calling her pleasant, but she changed her own name. Maintenant qu'elle a perdu ces 3 personnes, les gens n'ont pas changé son nom, mais elle-même, elle a changé son nom. She said, call me bitterness. Elle dit, appelez-moi amertume. While Ruth was smiling, follow. Tandis que Ruth souriait la suivant. Naomi didn't believe in herself. Naomi n'a pas cru en elle-même. But Ruth said, I'll follow you. Mais Ruth lui a dit, je te suivrai. Even though you don't see value même in you, bien que tu ne vois pas de valeur en toi, I see value in you. Moi, je vois de la valeur en toi. I see value. Je vois de la valeur en toi. I see value in you. Je vois de la valeur en toi. I see value in you. Je vois de la valeur. C'est Naomi. Dis Naomi, your value is not what happened to you. Ta valeur n'est pas ce qui t'est arrivé. It's the God that you have. C'est le Dieu que tu as. The God of the Israelites. Le Dieu des Israélites. That restore. Qui restaure. That make men recover. Qui amène les hommes à retrouver. Naomi. Naomi. If you agree. Si tu es d'accord. Our life can come back. Notre lumière peut revenir. Naomi said no. Naomi dit non. Say, Ruth, go away. Elle dit Ruth, va-t'en. Opa, go away. Opa, allez, va-t'en. Opa left. Opa est parti. Ruth said. Ruth a dit, I'm born to recover. Moi, je suis né pour retrouver. I'm born to recover. Je suis né pour retrouver. Shout, I'm born to recover. Je suis né pour retrouver. You have cried enough. Go and recover. Tu as assez pleuré. Va et retrouve. You have wished good for yourself enough. Fulfill it now. Tu t'es souhaité du bien. Maintenant, accomplis-le. Fulfill it. Accomplis-le. Go after it. Va après cela. Enough of crying. Assez de pleurs, c'en est assez. Look at these two women. Regarde à ces 2 femmes. An experienced woman said, "Don't follow me." Une femme expérimentée dit, "Ne me suis pas." I fell. J'ai échoué. I lost all. J'ai tout perdu. Even the Bible said we shouldn't come there. Même la Bible nous a dit de ne pas venir là-bas. I've learned my lesson. Said J'ai Naomi. Appris ma leçon. God is punishing me. Dieu est en train de me corriger, me punir. But in that, mais en cela, there's a root. Il y avait une route. Say, you don't believe in yourself. Il dit, tu ne crois pas en toi. But me, I believe in you. Moi, je crois en toi. You are mother-in-law. Tu es ma belle-mère. Yes, we all lost the men. Oui, on a tous perdu les hommes. At this point, à ce point, why they call you a witch? Pendant qu'on t'appelle sorcière, they call me also a witch. On m'appelle aussi sorcière. We are all in it. Nous sommes tous dedans. Naomi, Naomi. If truly you want to return to Israel, si réellement tu veux retourner en Israël, I'll follow you. Je vais te suivre. What was the message that brought Naomi back to Israel? Quel est le message qui a ramené Naomi en Israël? The Bible says he heard. La Bible dit qu'elle a entendu. That God remember Bethlehem or Jerusalem. Que Dieu s'est souvenu de Bethléem ou de Jérusalem. Et les a bénis avec du pain. Bethlehem means house of bread. Bethléem veut dire la maison de pain. So if the place recover and was restored. Si l'endroit a retrouvé et a été restauré. Ruth said the God that did it. Ruth a dit le Dieu qui l'a fait. I'll pass through you and serve him. Par toi, je vais le servir. And Ruth said. Et Ruth a dit, Naomi, Naomi, I will follow you. Je vais te suivre. Your God, ton Dieu, will be my God, sera mon Dieu. Your people,
people, ton peuple shall be my people. Sera mon peuple. She has moved herself. Elle s'est déplacée from availability to be valuable. De la disponibilité à devenir ou avoir de la valeur. At this point. À ce point. Pastor Philippe, tell me the truth. Pastor Philippe, dis-moi la vérité. Are you sure am I valuable in the kingdom? Es-tu sûr que j'ai de la valeur dans le royaume? If truly God has called you Pastor Philippe, si réellement Dieu t'a appelé Pasteur Philippe, you should be the Naomi. Tu devais être Naomi. And I should be the Ruth. Et je devais être Ruth. Where am I Ruth? Où est ma Ruth? Where am I Ruth that connects me to my Boaz? Quelle est ma Ruth là qui va me connecter à mon Boaz? Where am I Ruth? Où sont mes Ruths qui vont me connecter? That before Boaz come. Avant que Boaz n'arrive, they will go to the farm and come with the crumbs, the leftover, and I will be surviving before. Ils vont aller dans les champs et aller glaner les épis qui ont été abandonnés pour que je puisse survivre. Nico is a root. Nico est root. He left me a car up to now. He didn't take it. Il m'a laissé un véhicule jusqu'à maintenant. Il ne l'a pas pris. Root Nico. Nico root. Ou Ruth Nico. Maybe you take it tonight. Mais tu apprends ça ce soir. It's good to preach like this. C'est bien de prêcher comme you ça. Say no. Il dit non. Wisdom, brother. Ah, sagesse, mon frère, c'est ça. Where are my roots? Où sont mes roots? They say God bless the land with bread. Ils disent que Dieu a béni la terre avec du pain. But Naomi, you are old now. Mais Naomi, tu es vieille maintenant. But listen to me. Mais écoute-moi. Do you know that Boaz was a rich man? Savez-vous que Boaz était un homme riche? And Boaz is a prince man, a redeemer. Et Boaz est celui qui avait le droit de rachat. So Naomi shouldn't struggle. Donc Naomi n'avait pas besoin de lutter. And Boaz know the story. Et Boaz aussi connaît l'histoire là. This does not move to you automatically because you are family members. So. Les choses ne bougent pas pour toi facilement parce que tu es un membre de la famille. Non. Hear me. Écoute-moi. There's no man that make it alone. Il n'y a aucun homme qui réussit seul. Somebody will mention to somebody. Somebody will connect to somebody. Quelqu'un va te mentionner à quelqu'un. Quelqu'un va te connecter à quelqu'un. Tell me who is that person? Even Jesus. He couldn't do it. There was a John the Baptist that introduced him. Dis-moi qui est cette personne. Même Jésus n'a pas fait ça comme ça. Il a fallu un Jean-Baptiste pour l'introduire. One day he needed money. Un jour il avait besoin d'argent. He didn't go to Simeon's house. Il n'est pas parti dans la maison de Simeon. He says Zacchaeus, diva. Il dit Zachée, descends. Today I enter your house. Aujourd'hui je rentre chez toi. Why? Because he knew that the money they there. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait l'argent là-bas. There were people around him. Il y avait les gens autour de lui. Zacchaeus on the tree. Zachée sur le. The Bible says when he called. To the sycamore tree. La Bible dit quand il est arrivé à l'arbre du sycomore, he says, il dit Zacchée, you are a short man, tu es court, but your pocket is long. Mais ta poche là est longue. Get down, descends. I did chop for your house, je mange ce toi. I love the boldness of my master. J'aime le courage de mon maître. If you don't invite him, invite himself. Si tu ne l'invites pas, lui-même il s'invite. While they were eating, pendant qu'ils mangeaient, they were just talking. Ils parlaient. Zacchaeus said, Zacchée dit, anybody that have robbed, toute personne que j'ai volée, recover. The value of Jesus pushed Zacchaeus. La valeur de to Jésus. To make sure people recover what is stolen from them. Pousser Zacchée à faire retrouver ce qu'il a volé aux gens. Your true value is when your life is causing other men to get back to what they stole from people. Get other people are getting recovered because of you. Ta vraie valeur, c'est lorsque ta vie amène les autres à retrouver ce qu'ils avaient perdu ou ce qu'il a été volé. By a small eating. Par un petit mais. Say whatever I stole, I'll restore. Il dit quoi que j'ai volé là, je restaure. And number two. Deux. Mais personne mais y a loyer. Et je veux aussi faire du bien. I want to give to je people. Je veux donner aux pauvres. So he do restitution and also give free. Il a fait la restitution et il a donné gratuitement. One visit of Jesus. Une seule visite de Jésus. Naomi. Naomi.
connected to Boaz. Connecté à Boaz. But nothing happened. Rien ne s'est passé. But thank God for Ruth. Mais Dieu merci pour Ruth. That all this restoration and recovery. Qui a causé la restauration et le recouvrement. But she must discover the vineyard of Boaz in order for recovery. Mais elle devait découvrir la vigne de Boaz pour qu'elle puisse recouvrer ou retrouver. Last time we were doing Zoom. La dernière fois on faisait Zoom. The people on the internet. Les gens sur l'internet. And one of the sisters. Une des sœurs. Or two of them. Ou deux d'entre elles. Said, Pastor Philip, we are not treating you well. Elle dit, Pasteur Philippe, on ne s'occupe pas bien de toi. We are not treating you well. On ne te traite pas bien. Why? Say, ah, you are teaching us. Pourquoi? Parce que toi, tu you are praying for us. Tu pries pour nous. But we don't pay our tax to you. On ne paye pas nos dîmes chez toi. I love the swag and the English she used. Pastor Philip, I wish I can speak American English. J'aime bien la façon dont elle a grassaillé pour parler l'anglais. So, Pastor Philip. Pasteur Philippe. We are not treating you well. On ne te traite pas bien. When people start talking like that, then you are recovering the losses. Quand les gens commencent à parler comme ça, cela veut dire que tu as retrouvé ce qui était perdu. Alléluia. Alléluia. Barbara, you have no right to be shy of your husband. Barbara, tu n'as pas le you droit have waited for long. De ton époux. Tu as attendu longtemps. Sister. Sœur. Sister. Sir. You watch me. That your glass. You see? Est-ce que tu me vois? You have no shyness. Tu ne dois pas you owe nobody apology. Tu ne dois d'explication à personne. If ou d'excuse. You call him husband. Si tu veux, appelle-le mari, époux. You owe nobody apology if he drive your car. Tu ne dois d'excuse à personne s'il conduit ton véhicule. You waited for so long. Tu as attendu si longtemps. You cried for it for so long. Tu as pleuré pour ça longtemps. You were quiet for so long. Tu étais calme now longtemps. That you have it. Maintenant que tu l'as. Oh zingo zingo, praise the Lord. Oh zingo zingo, praise the Lord. Today we were in the forest. Aujourd'hui on était dans le forêt. I was reading my Bible. Je lisais ma Bible. This guy, ce monsieur, the way he come and park the car. De la façon il a garé la in my heart. Dans mon cœur. Aben mouyé. C'est déjà accompli. Onyami bochenu. Aben. Abemwe Onyami bo jenu Abemwe we finish praying. On a fini la prière. This guy entered the car. Le monsieur est rentré dans la voiture. Kaona propriétaire de voiture. Ah. Ah. You shall recover all. Tu vas tout retrouver. Why she will not carry us? Will not allow Prince to drive the car when we scratch it? She bore not on this one because this one is to recover the lost years. Quand pour nous l'on nous permettait pas quand le véhicule a un petit dégratignon, on s'est plaint, mais celui-là, c'est là, c'est que Dieu leur a donné de retrouver. Après, je prie. The days that the cankerworm and the caterpillars have eaten. Que les années que les sauterelles ont dévoré. Should be restored. Que te soit restauré. Should be restored to que your life. Que te soit restauré dans ta vie. Should be restored to your life. Que te soit restauré dans should ta vie. Should be restored to your life. Que te soit restauré dans should ta vie. Should be restored to your life. Que te soit restauré dans should ta be vie. Should be restored to your life. Que te soit restauré dans ta vie. I was in the house of a man of God in Abidjan. J'étais dans la maison d'un homme de Dieu à Abidjan. While we were there. Pendant que nous y étions. Some man businessman came. Un homme d'affaires est venu. And you know those big men, they have two halls. Vous voyez ces grands hommes, ils ont au moins deux salons. They pushed me here, and those people were there. Ils ont mis mon mis quelque part là, puis les autres là, étaient de l'autre côté. And he asked me, prophet. Il m'a demandé, prophète. If you don't mind joining us in prayer. Si ça ne te dérange pas, hein, faut nous rejoindre à la prière. Did I come to Abidjan to come and take pictures? C'est que le nez cherche comme air à respirer, c'est ça tu en vois. I left Boris, I left
Noël. By the time I say yes, I care, I move. J'ai laissé Boris, j'ai laissé Noël. Par le temps, ils m'ont dit, oui, et je suis là. The car we were using, we rent it, we didn't pay it. La voiture même qu'on utilisait, on a loué, on n'a pas encore payé. I came traveling from Ghana to come and watch. Voyager du Ghana, venir et regarder. Comme I said, I will pray. Nous allons prier. When he was praying, quand il priait, I was raising my antenna. Moi, j'ai déjà levé mes antennes. Fofo, nkunamlo. Open my eyes, Lord. Seigneur, ouvre-moi les yeux. This one, ça là, cette opportunité. He was doing the thing. Il était en train de faire. I was just waiting. This man should pass the ball. J'étais patient. Il n'a qu'à me passer la main. But the big men, they know where they eat from. Mais les grands hommes là, ils savent où ils mangent. He was not passing the ball. Il ne me passait pas la main. And he want to conclude the prayer. Et il veut conclure la prière. Daddy. Papa. I've seen something. J'ai vu quelque chose. C'est OK, prophète, vas-y. Il dit oui, prophète, vas-y. I said, I see this man. Il dit, je vois cet homme. They were the nation gave him an award. Que la nation lui a donné un award. If I'm a prophet, what I'm saying, if you are a prophet, you feel what I'm saying. Si je suis prophète, c'est que je dis, tu vas le sentir. I said the nation gave him a cup. Je lui ai dit que la nation lui a donné une coupe. Why you raise it up? Quand il a levé, his own family people take stone and they were stoning him. Il a vu les gens de la famille prendre la pierre pour le lapider. On appelle ça les ostents prophétiques. So when you say that, you must decode it. Et quand tu dis ça comme ça, il te faut maintenant décoder. While I was prophesying, I was watching his movement. Pendant que je prophétisais, j'observais ses mouvements. Let me give you one secret of the prophetic. Je te donne un secret du prophétique. When you are in the new ground, people don't know you. Quand tu es sur un nouveau terrain où les gens ne te connaissent pas. While you are prophesying. Quand tu prophétises. You're looking at the person's demeanor. Regarde à la personne. There are some people, they don't want you to know that what you are saying is true, but you can get in their eye. They'll be blinking their eyes fast. You know that there's a truth somewhere. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu saches que ce que tu dis est vrai, donc ils ont des attitudes. Alors observe leurs yeux, leurs attitudes, tu vas voir dedans. Or some people, when they are honest, they will be shaking their head. Ou ceux qui sont honnêtes vont remuer la tête. All that I was saying, the man was shaking their head. Tout ce que je disais, l'homme était en train de secouer la tête. And I turned to a woman that brought her. Me suis retourné vers la femme qui l'a envoyée. I said, this woman loves you so much. J'ai dit, cette femme t'aime bien. He wished that you are born again. Elle souhaite que tu sois né de nouveau. En ce moment, je vois le sourire et la tête qui secoue bien. Il dit, c'est appris. Then the man of God. Non, je suis arrivé sur l'homme. Look de Dieu. At the words he used. Regarde la parole qu'il a utilisée. Le prophète Philippe. Le prophète Philippe. Dieu lui fait beaucoup de grâce. God gave me a lot of grace. Dieu l'aime beaucoup. God loves him so much. Do you know why he said God loves me? Est-ce que vous savez pourquoi il a dit Dieu m'aime? That man became the head of their church. The church is just like assemblies of God. I met him and I prophesied to him that you become the head. After 6 years, 7 years, or after 4 years, he became. Après avoir prophétisé parce qu'il est dans une grande église, quand je lui ai dit tu seras la tête de l'église là, 4 ans après, c'est arrivé. People of God. Peuple de Dieu. Value. La valeur. Value. La valeur. Value. La valeur. Value. La valeur. It's not in shoes. Ne se trouve pas dans les chaussures. It's not in your dresses. Ce ne se trouve pas aussi dans tes vêtements. Vous avez chanté la valeur de l'homme ne dépend pas. You sang that the value of a man does not depend of what he has in hand today. But the value of a man depends on what God has put in him. Mais la valeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. What is your value? Quelle est ta valeur? You must know it to recover. Tu dois le savoir avant de retrouver ça. Naomi make a recovery. Naomi a fait un recouvrement. Which give birth to Jesus. Ce qui a donné naissance à Jésus. The Bible said the Moabites or whatever will not enter to the kingdom, I think to the fourth generation. Donc la Bible dit que les Moabites ne devaient pas rentrer ou avant la quatrième génération, comptée parmi les Israélites. Look at Ruth. Mais regardez donc Ruth. Ruth married Boaz. Ruth s'est mariée à Boaz.
And they give birth to a son called Obed. Obed. Ils ont donné naissance à un fils appelé Obed. Obed give birth to Jesse. Obed qui a donné naissance à Jesse ou à Isaïe. And Jesse give birth to David. Et Isaïe qui donna naissance à David. And blanc bâtiment crying him out, son of David. Et le bâtiment, l'aveugle a crié, dit fils de David. It was a true recovery. C'était un véritable recouvrement. The resurrected Christ came from that lineage. Le Christ ressuscité est venu de cette lignée là. We cannot recover if we don't start appreciating the little beginning where God has put us. Nous ne pouvons pas retrouver ou recouvrir si on ne commence pas par apprécier le peu de choses que Dieu nous donne. Your small wife, appreciate her. Ta petite femme, apprécie-la. Your small husband, appreciate him. Ton petit mari, apprécie-le. I'm telling the truth. Je vous dis la vérité. That small gift, appreciate it. Ce petit don là, apprécie-le. I'm not saying small in size, but like new beginning. Je dis pas petit dans la taille, mais à cause du commencement, c'est un nouveau commencement. Hein? D'accord. There were some people have the pleasure. When we were married, our bed was on the floor. Vous nous, hein? Mattress. Nous quand nous on s'est marié là, nous notre matelas était à même le sol. When I was going to buy it, I went to buy a fake one. Quand je suis allé acheter, mais je suis allé acheter un faux. You sleep like you sleep on a stone. Tu dors, on dirait que tu as dormi sur une pierre. You don't know. The hall, we dress it, but the bedroom. Le salon là, écho, écho. Mais dans la chambre à coucher là, quand tu fais, ça fait écho. Tu entends, non? Yes. Oui. But that was our beginning. That was not our true value. Mais c'était juste notre commencement et ce n'était pas notre vraie valeur. People of God, peuple de Dieu, I've come to encourage you. Je suis venu vous encourager. Not to push you to be proud, pas arrogant, pour t'amener à être orgueilleux, arrogant, but just know who you are. Mais juste le fait que tu saches qui tu es. And go for what God has made you. Et va pour ce que Dieu t'a fait. And what God has made you for, there are a lot of people who are waiting for it. Et ce que Dieu t'a créé là, hein, y a beaucoup de gens qui attendent ça. I'm telling the truth. Je te dis la vérité. Normally people say go to a place that they celebrate you. Normalement les gens disent va dans les endroits où tu es célébré. Où what tu they want to say that? Pourquoi est-ce qu'ils veulent dire cela? Connect to people who know your true value. Connais-toi aux gens qui connaissent ta vraie valeur. I asked a question in the forest today. J'ai posé une question dans la forêt aujourd'hui. That if the lizard egg, the egg of a lizard. Si l'œuf du marguillat. The price on it is $1 million. Si le prix d'un œuf de marguillat était $1 million. All of us will be in the bush looking for. Nous tous, that egg. On va aller dans les forêts en train de chercher l'œuf de marguillat là. Why? Pourquoi? Because of the value. À cause de la valeur. Have you ever seen somebody that last struck on the this big pole? It was on the internet some time ago. Est-ce que vous avez vu ces personnes qui a été électrocutées là sur les grandes les hautes tensions? The person, it's not madness, oh. Ce n'est pas que la personne est folle. You know the vultures, the egg of vultures. People use it to food juju, so it costs. Vous savez que l'œuf des vautours là, ça a de la valeur parce que les gens utilisent ça dans le monde occulte. And the vulture will not lay its egg low ground for you. Et le vautour aussi va pas aller pondre son œuf là en bas là. It will lay it in the transformer up there. C'est sur la haute tension en haut là-bas. So this guy, the value of the egg make him to risk his life. Et ce frère là, la valeur de l'œuf de vautour là l'a amené à risquer sa vie. People of God, look at the value of gold. It make men become like rats. They go deep down there. Peuple de Dieu, regardez la valeur de l'or. Ça amène les gens à devenir des rats. Ils vont au fond sous la terre là-bas. They go deep down. The value make them to take that risk. Ils creusent profond. La valeur de l'or les amène à prendre ce risque. I know the value of souls.
Je connais la valeur des âmes. That's why we take the risk to travel while they close the borders. C'est pourquoi on prend le risque de voyager bien que les frontières terrestres sont fermées. I know that my value is not in the school certificate. Je sais que ma valeur ne se trouve pas dans les diplômes d'école. I know that my value is not in speaking the Queen's English. Je sais que ma valeur ne se trouve pas dans une très belle expression. I'd rather speak in tongues than to speak the Queen's English. Je parle mieux en langue que même de parler. Hein, la chose là, ce n'est pas l'anglais là, mais c'est l'onction là, la bénédiction. Hey. Obi aussi après coup, the guy is a man. He said, "Yami wa frère, il said après coup ma daughter." Le monsieur est un homme. Il dit Dieu m'a appelé. Il a dit après coup en fille. C'est un homme qui dit ma. C'est un homme qui dit que Dieu m'a appelé. Il dit ma après coup ma fille. Pourtant, c'est comme si je disais Timothée ma fille. The Bible says, "By the anointing, the yoke shall be broken." Mais la Bible dit que par l'onction, le joug sera brisé. Some of us that marry, we cannot tell you why we marry the women we are. I cannot really tell you, but I know that what I pick, I love it, and what I pick, I they love them. I just don't know. I don't know. They didn't cook anything for me. Mm-hmm. You know, if it's yours, it's yours. Your value, you know. Voilà. Vous voyez, papa essaie d'expliquer que il sait pour nous qui sommes mariés là. Je sais pas. Tu vois là. Alléluia. So soon, he said we that are married. That's what he said in French. Voilà. Très tôt là, il dit nous qui sommes mariés. Voilà. Tu sais pas, mais tu sais que tu as choisi, tu aimes. Ils n'ont rien préparé, mais tu aimes et tu aimeras. Et puis ça look te va bien. Claude Holding say, oh, where shall I? I told Pastor Evans, it's wedding day. If I forget, the church will remind me. J'ai dit à Pastor Evans, le jour de son mariage, si j'oublie que l'église me rappelle. Instead of saying kissing the bride, I say carry the bride. Au lieu de lui dire embrasse la mariée, je lui ai dit faut soulever la mariée. And I told Benedita. Et j'ai dit à Benedita, remind me. Rappelle-moi. Pour lui là, c'est pas fait vite. Sous mon boy, c'est où qu'on fasse où fasse nous bra. Jeunes gens comme ça, tu allais. Your wedding day, you go carry the bride. Le jour de ton mariage, tu vas soulever la mariée là. Start doing press up. Commence à faire les pompes. I said, this boy, you go carry him. Tu vas la soulever. Yes, people. They are going to break the yoke. Lui, peuple de Dieu, l'onction brise le joug. Invest in what makes you valuable with the spirit. Investis dans ce qui te donne de la valeur par l'esprit. And as I was saying that, we don't know why we marry the people we marry, and we find out that we are in love, and I'm still in love more than the beginning. Comme je l'ai dit, on ne sait pas pourquoi on s'est marié à ceux à qui on s'est marié, mais moi j'aime et j'aime encore plus que même qu'au début. Meaning that, cela veut dire, Charlie, there's a magnetic power, B. Voyez, il y a une puissance magnétique là. You ask yourself, ah, but this one is power. You don't know how. Tu sais pas comment, oh, mais ce qui est sûr, tu es dedans. Tu rends grâce à you don't know why your heart go there. Tu sais pas aussi pourquoi ton cœur allait là-bas. And what we've been doing, that, ah, God, I thank you that my heart didn't go elsewhere but it came here. Et tout ce qu'on fait, c'est Seigneur, je te dis merci que mon cœur n'est pas allé ailleurs mais ici là-haut. Merci. People of God. Peuple de Dieu. Work at the value. Travaille sur la valeur. When we say recover, quand recover the value. De recouvrer, c'est de retrouver la valeur. Some years ago, a brother came from England. Il y a des années en arrière, un frère est venu de l'Inde. To Togo. De l'Angleterre jusqu'au Togo. When he was coming, he called me. Quand il venait, il m'a appelé. He said, Pastor Philippe. Dit Pasteur Philippe. Bring me Ado. Amène-moi Ado.
C'est that brother that pray. Ce frère là qui prie. You remember? Tu te souviens? Hein? From London. Depuis Londres. C'est Pasteur Philippe. Pasteur Philippe. Can't wait. Pasteur Daniel. Avec Pasteur Daniel. I like the way he pray. J'aime la façon dont il prie. That was your value. But did you maintain? Did you grow in it? Est-ce que tu l'as maintenu? As-tu grandi en cela? Your value. Ta valeur. He just want to see him. Il veut seulement le voir. Oh, they chill as well. We chill. They rent that hotel. On en a profité bien. Bon hôtel loué. Oh, we chill. On en a profité. Oh, we chill well. On a profité. Hein? You are just in the hotel, the air condition. By the time you realize. Tu es dans l'hôtel. The food là, is ready. Le climatiseur là te fera le temps de te rendre compte. La nourriture est prête. Il dit, bring him. I like the way he prays. Amène-le. J'aime la façon dont il prie. Value. La valeur. People don't give to anything if it's not value. Les gens ne donnent rien si ce n'est pas, si cela n'a pas de la you valeur. You realize that people who have more receive more. Tu vas te rendre compte que ceux qui ont plus reçoivent plus. Because everybody wants to join or connect to value. Parce que tout le monde veut rejoindre ou être connecté à la valeur. Work your own. Travaille pour toi. Travaille. Melt the thing. Let it be melt. Il faut fondre la chose. Faut fondre ça. If you are singing, let your value be seen. Si tu chantes, que ta valeur soit vue dans le chant. If you are preaching, let your value be seen. Si tu prêches, que ta valeur soit vue dans la prédication. There's something you bring that is not common. Grow in it. Il y a quelque chose que tu apportes qui n'est pas commun. Grandis en cela. Hein? OK? Grow in it. Grandis en cela. There's a sister who wants to marry a brother who came and see me. Il y a une sœur qui veut marier un frère et elle est venue me voir. They are in a holiness church. Ils sont dans une église de sanctification. Mais leur pasteur dit, allez-y chez Pasteur Philippe. If it's of God, si c'est de Dieu, he will confirm it. Il va le confirmer. The lady didn't tell me. La fille ne m'a rien dit. While we talk, I said, this thing, God is in it. Quand on parlait, je lui ai dit ça. Then Dieu est dedans. This one, my pastor said. Ainsi elle dit, voilà ce que mon pasteur c'est a dit. Good to pastor. And the pastor doesn't know me. Et le pasteur m'a, lui a dit, we have not talked before. Et le pasteur ne me connaît pas, on n'a jamais parlé avant. Hmm. And he added that the pastor has been using me to preach to his church members. Et elle me dit que le pasteur m'a toujours utilisé pour prêcher à ses membres. He said, this thing I'm teaching you, people are doing. The day Pastor Philip will come here for you. Il dit ce que je vous enseigne, puis vous êtes en train de faire comme police si, comme in ça. Christ. Le jour où Pasteur Philip va venir là, je suis un policier dans le Seigneur. Policier en Christ. You think I'm hard, eh? Vous pensez que je suis dur? Oh. Je vais vous envoyer Pasteur Philippe. CIA. Je vais vous envoyer Pasteur Philippe la CIA. What is your value, people? Quelle est ta valeur? Your value. Ta valeur. That's where the world wants to relate with. Et c'est à ça que le monde veut avoir une relation. Joseph. Is value that lead him to the palace. C'est la valeur qui envoie Joseph au palais. While I was praying about discovering. Quand je priais concernant le recouvrement. What God showed me about Joseph was mind blowing. Ce que Dieu m'a montré concernant Joseph m'a vraiment tapé sur la conscience. Do you know that it's kings that give multicolored dresses to their daughters? Est-ce que vous savez que ce sont les rois qui donnent des vêtements multicolores à leurs filles? Tamar have one. Tamar a un. Hello?
Tamar a aussi un vêtement comme ça. So, Joseph. Alors Joseph, the multicolored thing on him to say that you are a prince. Le vêtement multicolore, c'est pour dire que toi, tu es un prince. The prince must become the king. Et le prince doit devenir roi. The father himself does not phantom. He does not know why he let go of the ruby, everybody, but particular. And Joseph was not the last born, no. Et le père ne savait pas pourquoi il a laissé tous les rubens et autres là, même Joseph là, il avait son cœur sur lui et il n'était pas aussi le dernier né. And they gave him the multicolored dress. On lui a donné le vêtement multicolore. When pendant que they hated him, on le haïssait. They removed it. Ils ont enlevé le vêtement. And they put it into the blood of an animal. Ils ont trempé son vêtement dans le sang d'un animal. But the voice of the blood is loud. Ben, la voix du sang résonne. They took the special dress. Ils ont pris l'habit spécial. And people of God, you must know that Joseph is a typology of Jesus Christ. Et peuple de Dieu, vous devez savoir que Joseph est la typologie de Jésus-Christ. As they removed the dress. Comme ils ont enlevé l'habit sur lui. The same thing they removed Jesus. C'est la même chose qu'ils ont enlevé pour Jésus. But they put into an animal blood. Mais son habit a été mis dans le sang d'un animal. And bring it to the father. Et ils ont apporté ça au père. That is dead. Qu'il est mort. Accept a grain of a wheat fall in the ground. And die. Il dit, si la graine est sénévée, if he doesn't die, I'll die alone. Si elle ne meurt pas, elle ne peut pas porter de fruits. Mais the si guy had been having dream. Le frère avait l'habitude. There's a difference between having dream and to live your dream. Il y a une différence entre avoir les songes et vivre selon tes songes. There must be blood on the altar. Il doit avoir du sang sur l'autel. There must be a vehicle that can transcend him from his dream to reality. Il doit avoir un véhicule qui va le transporter de ses rêves à la réalité. Enough of dreaming, live life. Assez de rêves, vis la vie. The Bible says when he dream a dream. And he explained they hated him the more. La Bible dit qu'il rêve, il rêve. Quand il explique, plus il explique, on le hait. So they think the dress is the issue. Et ils pensaient que c'est l'habit qui était le problème. And they removed it. Ils ont enlevé l'habit. And they put him into the tomb. Ils ont mis, ils l'ont mis dans le sang. When they put him in the pit, quand ils l'ont mis dans le puits, they sell him out. Ils l'ont vendu. By the time he gets to Potiphar, dans le moment où il va arriver chez Potiphar, the blood was speaking. Le sang parlait. Another dress came. Un autre vêtement est venu. Another dress with a new challenge. Un autre vêtement avec un nouveau défi. The father gave him a dress and the challenge came from the house. Le père lui a donné un vêtement et le défi, le challenge est venu de la maison. Potiphar gave him a dress and the challenge came from Potiphar's wife. Potiphar lui a donné un vêtement et le défi, le challenge est venu de la femme de Potiphar. And this woman said, et cette femme a dit, sleep with me. Couche avec moi. He said no. Il dit non. And David, Joseph said, et Joseph a dit, I'm used to lose this value. J'ai l'habitude de perdre cette valeur qu'on appelle vêtement. Because I know another value in me. Parce que je connais, il y a une autre valeur là, elle est en moi. What are you losing? Which value are you losing to maintain the main value? Quelle valeur es-tu en train de perdre pour maintenir la réelle valeur en toi? Which value are you losing to maintain the main value? Quelle valeur es-tu en train de perdre pour maintenir la réelle valeur en toi? It's not every money we receive. Ce n'est pas tout argent qu'on reçoit. Si tu veux it's not every woman we love. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on if aime. It's not every man we marry. Ce n'est pas tous les hommes qu'on marie. It's not every opportunity we accept. Ce n'est pas toutes les opportunités qu'on accepte. Because if you know the value, it's not everything you accept. Parce que si tu connais la valeur, alors tu te rendras compte que ce n'est pas tout qu'on accepte. He said, I will not. Il dit, je ne ferai pas. I lost a dress before. J'ai déjà perdu un habit avant. And I'm ready to lose this one. Je suis même prêt à perdre celui-ci. And he lost it. Et il a perdu. It was a proof against him. Et c'était une preuve contre lui. You have lost something. Tu as perdu quelque chose. But please. Mais s'il te plaît. There's a value in you. Il y a une valeur en toi. The reason why you have to forgive that person. La raison pour laquelle tu dois pardonner à cette personne. Because you must keep the value. Parce que tu dois garder la valeur. The reason why you must give. La raison pour laquelle tu dois donner. Because you must keep the value. C'est parce que tu dois garder. The reason why you must pray. La
Because you must keep a value. C'est parce que tu dois garder the reason you must read your Bible. La raison pour laquelle tu dois you must keep a value. Tu dois garder une valeur. The reason you must win souls. La raison pour laquelle you must keep a value. The reason you must repent. You must keep a value. Keep doing the will of God. Continue because there's a value to keep. Parce qu'il y a une valeur à garder. It's a value to keep. Il y a une valeur à garder. And when he lost it to prison. Et quand il a perdu, il s'est retrouvé en prison. And they give him a prison garment. Et on lui a donné un vêtement de prison. But since he's a value man. Ben, parce qu'il est un homme de valeur. Even in prison, he have favor. Même dans la prison, il a obtenu faveur. He have favor with the prison guards. Il a eu même faveur avec le geôlier. But look at it. Ben, regarde. A prisoner of Potiphar is different from the prisoner of Pharaoh. Un prisonnier de Potiphar est différent d'un prisonnier but de in Pharaoh. The prison, they put him in the cell of the big man. Mais dans la prison, on l'a mis dans la cellule des grands hommes. The value of the, this guy was his gift. La valeur de ce frère là, c'était quoi? Even in prison, he was using it. Même en prison, il l'utilisait. You are not a pastor yet, but use the gift. Tu n'es pas le pasteur encore, mais utilise le don. There's no crusade, but use the gift. Il n'y a pas de croisade, utilise. There's no evangelism, but use the gift. Il n'y a pas d'évangélisation, mais utilise le don. There's no pulpit, but use the gift. Il n'y a pas de pupitre, mais use. There's no microphone, but use the gift. Il n'y a pas de microphone, mais utilise le don. Just use the gift. Seulement, continue d'utiliser. Just use the gift. Toi, utilise le don. The Bible says, a man's gift shall lead him before kings. La Bible dit que quoi, le don d'un homme le conduira vers les rois. What I have is not what Potiphar give. Ce que j'ai, c'est pas ce que Potiphar donne. It's still with me. C'est toujours so avec even moi. In the prison, he give it out. Même dans la prison, il a. So finally, finalement, the king must have a dream. Le roi devait avoir un songe. God has to cause him to have a dream. Dieu va le pousser à avoir un songe. For Joseph to be remembered. Pour que Joseph soit God souvenu. Is causing somebody to have something. So the person can come to Dieu va envoyer quelqu'un avoir quelque chose pour que la personne vienne vers toi. Hein? Ok. We were in Abidjan. On était à Abidjan. We were in need of money. On avait besoin d'argent. And Sister Loisy called. Et la sœur Loisy a appelé. That he had a dream. Elle a eu un songe. That in the dream. Dans le songe. He wanted to send money to the missionary in Benin. Elle voulait envoyer de l'argent au missionnaire au Bénin. And in the dream I came. Et dans le songe je suis venu. I said, girl. J'ai dit fille, you know what? Tu sais quoi? Yes, you want to send them money. Oui, tu veux leur envoyer l'argent. But we need money in Abidjan. Nous, on a besoin d'argent à Abidjan. Give me the money, let me do mission. Donne-moi l'argent que je fasse la mission. In the morning. Et dans le matin. She woke up, she was just laughing. Elle s'est levée, elle a commencé à sourire. And she released it. Et elle a libéré l'argent. In her dream. Dans son songe. Like I didn't appear in the dream. These Benin missionaries. Be chilling while we are struggling there. C'est comme si j'avais pas apparu dans le songe de la mission. Even in your dream, I will come. Obini cried and enter people dream. Why much about me? Dans ton songe là, il est venu là-bas. Even in your dream. Même dans tes songes. And that dream. Et ce songe. Save us. Nous a sauvés. We do the program with ease. On a fait le programme aisément. Hear me, people. Écoute-moi. The king have a dream. Le roi a eu un songe. I don't know who must have a dream. Je ne sais pas qui doit avoir un songe. To release something for you. Pour libérer quelque chose. But it's starting now. Mais ça commence maintenant. I say it's starting now. Je dis ça commence maintenant. In the movement of recovering, people must have dreams. Dans le mouvement du recouvrement, les gens doivent avoir des songes. The dream of the king caused Joseph to be recovered. Le songe du roi a amené Joseph à être retrouvé. Let me tell you, some of you are in business. Certains d'entre vous qui êtes dans les affaires et qui travaillent in the social world, dans le monde social, your bosses, vos patrons, they consulting on you, ils font des consultations sur vous. Those people they don't release their money for their role, they will go and ask. Les gens ils vont pas libérer leur argent comme ça, ils vont aller d'abord se renseigner. If I give this my money, can the profits come? Est-ce que si je donne mon argent ici, est-ce que le this person does he have favor? Est-ce que cette personne elle a une faveur sur sa vie? If I transact with him, est-ce que si je fais des transactions avec la personne, if I buy him the car, si j'achète la voiture, if you do business together, est-ce que nous faisons ensemble les affaires, they go and consult. Ils vont consulter d'abord.
But when they consult, may God mention you. Mais quand ils consultent, que Dieu te mentionne. May God mention you. Que Dieu te mentionne. May God mention you. Que Dieu te mentionne. May God mention you. Que Dieu te mentionne. May God mention your name. Que Dieu mentionne. May God mention your name. Que Dieu mentionne ton nom. You recover all. Tu vas tout retrouver. You recover all. Tu vas tout retrouver. Say, oh Lord. Dis, oh Seigneur. I recover all. Je retrouve tout. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Any comment. Tout habit. That I've lost. Que j'ai perdu. In my bitterness. Dans mon in my pain. Dans mes douleurs. Oh Lord. Oh Seigneur. I recover. Je retrouve. I recover. Je recouvre. Oh Lord. Oh Seigneur. Any garment. Tout habit. That I've lost. Que j'ai perdu. In my house. Dans ma maison. By my prayer. Par ma prière. I recover. Je retrouve. A new garment. Un nouveau vêtement. For the palace. Du palais. Hear me. Écoute-moi. Joseph couldn't have gone to the palace with the prisoner's garment. Joseph n'a pas pu aller au palais avec le vêtement de prisonnier. The Bible said they remove the garment. La Bible dit qu'ils ont enlevé ce vêtement. Blind Bartimaeus rejected the blind garment. Le Bartimée aveugle a rejeté son manteau d'aveugle. Some of you, there's a family garment on you. Certains d'entre vous, il y a un vêtement de famille sur there's vous. There's a family garment of limitation. Il y a un manteau de limitation. It must be broken in Jesus. Cela doit être brisé. It must be broken in Jesus. Il doit être brisé. It must be broken in Jesus. Cela doit être brisé. It must be broken in the name of Jesus. Cela doit être brisé. Say, oh Lord. Dieu, oh Seigneur. Any evil garment. Tout mauvais habit. On my destiny. Tout ma destinée. Catch fire now. Prends le feu maintenant. 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 Drop and pray. Prends le feu maintenant. Any limitation. Prie pas les mépris. Over your life. Limitation. It's broken. Ta vie. It's broken. Elle est brisée. 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 Drop and pray. Elle est brisée. Elle est brisée par les mépris. Vêtement de limitation, tout vêtement de stagnation, tout vêtement de non-progrès, je le brise à qui prend le feu, qui prend le feu, qui prend le feu. Au nom puissant de Jésus, je déclare que le vêtement prend feu, il prend feu, je déchire ce vêtement de honte et d'humiliation, ce vêtement de limitation et de marquer le pas. Dans ma vie, dans ma famille, je sors de dessus le couvert. 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 Au nom puissant de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je me libère par le sang. 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 Je me libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le sang. Je me libère. Je me libère. Appelle-moi,
When we were in Abidjan, quand on était à Abidjan, there was a dream. Il y avait un songe. That they're supposed to suck us away from here. Back all right? Ils sont supposés de nous chasser d'ici. They're supposed to suck us, but what happened? While they were sucking us, they rather arranged the place. Yeah, there was a dream. Il y a eu un songe. In the dream, we were no more here. Dans le son, on n'était plus ici. The place like Legon. The place was looking like a lecture hall. On était comme but dans une grande salle. The lecture hall was dirty. It wasn't clean. La salle n'était pas propre. Once we enter, quand on est entré, the people, the important people in the school, et les gens qui étaient dans l'école, we were thinking we were about to sack us. On a pensé qu'ils voulaient nous chasser. Took us out to arrange the ils nous ont au contraire fait sortir pour arranger le pays. When they finished us, ils nous ont demandé enter the place. Qu'on puisse we must recover church. Nous devons Jesus. Retrouver l'église. While we were doing church in Togo, quand on faisait l'église au Togo, there were visions. Il y avait des visions. The church became big. L'église est devenue grande. And the president asked his brother, "Can't you see that they are too plenty?" Il dit que le président a demandé à son frère, tu vois pas qu'ils sont beaucoup? The last dream is that le dernier songe que Paco, we were going to the president of Togo. J'étais avec Paco quand pasteur Paco quand on allait chez le président du Togo. That they will have to give us some opportunity to preach. Et qu'ils doivent nous donner des opportunités pour prêcher. If you want to stay with your pit or your prison, be there. Me, I'll move. Si tu veux rester dans ton puits et ta prison, toi reste là. Moi, je vais avancer. I love the way you are behaving. J'aime la façon dont tu te comportes. May God remember that zeal and that prayer. Que Dieu se souvienne de ces semences, cette prière. Hey, I want to recover all. Je veux tout retrouver. Before rapture, I want to fulfill my destiny. Avant l'enlèvement, je veux tout retrouver. I don't know about you. Je ne sais pas toi pour toi. I don't know what God said concerning you. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit te concernant. But I know what God said concerning you. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit. I want to fulfill it. Je veux tout accomplir. And witches and wizards can't destroy it. Les sorciers ne peuvent pas détruire. When you carry your own life in your own hand. Quand tu portes ta propre main. When you are determined. Quand tu es déterminé. With prayer and the blood of Jesus. Avec prière et le sang de Jésus. There's no hindrance. Il n'y a pas d'ennemi. Commence à prier. C'est pas la catoussata.
Hey, 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 hey
Yes. Libarakusa sasa. Atipare Arapasuka yes. Rakopa kabala kiatiku sapna. Zedere karusa. Repari hatu. Arakopa rakatele kutu. The king wants to see you in a certain garment. Le roi veut te voir dans un certain vêtement. Gideon, there's a garment. Gideon, il y a un vêtement. And that's why in the wedding day, c'est pourquoi le jour du mariage, women don't wear any kind of dresses. Les femmes ne portent pas n'importe quel habit. There's a special dress. Il y a un habit spécial. That when she appears, et quand elle sort, they know that she's the one we are celebrating. She's the one we are gathered for. Quand elle apparaît, on sait que c'est pour elle qu'on est rassemblé. There's a dress to wear to enter in. Il y a un habit qu'il faut porter pour entrer. That favor dress, let it come on you. That dress of elevation, let it come on you. That dress of open door, let it come on you. That dress of promotion, let it come on you. Say, I receive it in Jesus' name. Say, I receive it in Jesus' name. Hear this testimony. Écoute. We met a guy in Abidjan. On a rencontré un Togolais à Abidjan. Samuel. God. Il est work. Le gars la travaille. This can go do. I never see your kind do. This can go do. Blessed be your holy name. This can go do. I never see your type. This can go do. Blessed be your holy name. Now here. Now écoute. This guy was suffering. Ce frère souffrait. And went to market. Il allait au marché. And take pictures of Lacoste. Il a pris une photo avec un Lacoste. And put it to an WhatsApp group. Il a mis ça sur dans un groupe WhatsApp. And somebody in the group wrote him. Quelqu'un dans le groupe lui a écrit. Said they needed 10 of that Lacoste. Ils ont dit que ce Lacoste, là, on en a besoin 10. The guy does not have money. Le frère n'avait pas d'argent. To buy it from the market to give to the person. Pour acheter au marché pour leur donner. It's like the Lacoste is 2000, 2000 or something. What is getting on it is Mifra Mifra. Le Lacoste était en 2000, un truc comme ça, il avait un bénéfice de 1000 francs. Frère, doucement, quand je voulais, tu n'étais pas là, pardon. Now, maintenant, he give the thing to the guy. Il a donné ça au frère. But he have to give his ID card to beg the Hausa man. Il doit donner sa carte d'identité afin de supplier. Give me 10 of your Lacoste.
Donne-moi 10 de tes Lacoste. Take my papers, I'll sell it and bring you your money. Tiens ma carte d'identité, je vais aller les vendre et envoyer ton argent. He gave it to the person. Il a donné à la personne. And they counted his money. Ils ont compté l'argent qu'ils lui ont donné. He go. Il est parti. But the person carried the Lacoste, go and give it to the president's sister. Mais le gars allait prendre les Lacoste et allait donner à la sœur du président. He went to sell it one 10,000. Il allait sortir, buy two. Quelqu'un qui l'a acheté à 2000, il allait vendre ça à 10,000 là-bas. So another time. Et un autre jour, the guy called this our brother again. Et son client là a appelé donc notre frère encore. They need about 20 again. Il l'a appelé donc on a encore besoin de 20. But come and meet me in this junction so that I can pay you. Il dit viens me rencontrer à ce carrefour afin que je puisse te payer. But before this time, mais avant ce temps-là, this guy start praying. Ce frère-là a commencé à prier. Seeking the face of God. Cherchant la face de Dieu. His friend, son ami, was thinking taking advantage over him. Profitait de lui. But that day, God intervened. Mais le jour-là, Dieu est intervenu. While they were changing hands, that take the goods and give me my money. Pendant qu'ils échangeaient, tiens les habits, donne-moi mon argent. There's a car that came. Il y a un véhicule qui est venu. And the guy was supposed to give him the money. The car said, "There's an agency. Enter the car." Et le gars qui était supposé lui donner l'argent lui dit, "Il y a une urgence, monte dans la voiture." No, the car that came said, "There's an agency. You that is supposed to pay, enter the car." Le véhicule qui est venu dit, "Il y a une urgence, toi qui es supposé payer, rentre dans la voiture." Now, they needed the Lacoste. And this guy too, he cannot stop. Ils avaient besoin de Lacoste, ce frère ne pouvait pas aussi arrêter, alors il devait aller. Why the car carried this one away? Quand le véhicule a pris celui-là parti, the security man carried this man. Le gars de la sécurité a pris l'autre qui vend. Straight to the house. Direct à la maison. Pass every security. Il a brisé tout le protocole de sécurité. Brisé le protocole de sécurité. Brisé le protocole de sécurité. People were waiting for the woman. Quand les gens attendaient la femme, they lead him strictly. Ils l'ont conduit direct. He was afraid. Il avait peur. He said, "Pastor, I saw guns." Il dit, pasteur, j'ai vu les armes. I saw soldiers. J'ai vu les soldats. And I was just passing them. Et je passais as devant I eux. Hear. Quand je suis apparu, I saw the president of Togo's sister. J'ai vu la sœur du président de la République de Togo. And the woman came out. Et la femme est sortie. He said, "You dress well." Elle dit, tu es très bien habillé. Ah. You dress well. Tu es très bien habillé. You look nice. Tu as une bonne apparence. Are you the one who sells the Lacoste? C'est toi qui vends les Lacoste? While they were talking. Pendant qu'ils parlaient. Something that is small money, they give him 400,000 CFA. Quelque chose qui était petit, on lui a donné 400 000 francs. CFA. And they added 1 million CFA. Et ils ont ajouté 1 million de francs CFA. C'est take it. Dis prends. Since you know the market. Comme tu connais le marché. Normally we go and buy things in France for our normalement, children. On, but since you know the market. On va payer les trucs take en the France. Money. On paye les choses en France pour venir. Comme toi tu connais le marché. Anytime prends, we va. Need anything, buy it for us. Il dit quoi que tu as vu là, achète ça pour nous. Do you know what he told me? Vous savez ce qu'il m'a dit? I'm talking about the guy who played the conca. Je parle du gars qui jouait le concas. Il dit, Pasteur Philippe. Il dit, Pasteur Philippe. I built a house in that. Moi, j'ai construit maison dans ça. He said, it takes the woman 3 years before you know that he doesn't have a store. Il dit que il a pris 3 ans à la femme pour qu'elle réalise qu'elle n'avait pas de magasin. Il dit, Pasteur Philippe, I built a house in it. Il dit, Pasteur Philippe, j'ai bâti une maison dans and ça. And every year. Et chaque année. He pays school fees for children. Il paye de la scolarité pour what les enfants. He has been doing, he will take a church and arrange a church every year. Et ce qu'il fait, c'est que il prend une église et puis il vient l'aménager chaque année. When we are talking about recover, nous parlons de recouvrir. You need an attitude. Il te faut aussi une attitude. That is packed with an action. Qui est suivi d'action. There are times, par moment, if you feel that the fasting do it dry, do it. Par moment, si tu sens que le jeûne, tu dois le faire sec, fais-le. If you feel like I have to give an offering, give it. Si tu ressens que je dois semer, il faut semer une offrande. Specially offering. Do it. Offrande spéciale, fais-le.
this opportunity, they just come once in a time. Ces opportunités là viennent une fois dans la vie. The guy was praying, but his friend doesn't know the guy is praying. So God himself, le gars priait, mais son ami ne sait pas qui priait. Que Dieu lui-même a tout dégagé pour lui donner le chemin. Today he's a house owner. Aujourd'hui, il est propriétaire de maison. And he told me, say, Pastor Philip, il m'a dit, Pasteur Philippe, when we pray, quand on prie, we think God has not answered. On pense que Dieu ne répond pas. But God answers. Oh, Dieu répond. He said, Pastor Philip, I'll tell you the truth. Il dit, Pasteur Philippe, je te dis la vérité. I do 21 days fasting. J'ai fait 21 jours de jeûne. And I have nothing. J'ai rien eu. And somebody came and gave him 10,000 CFA. Quelqu'un est venu lui donner 10 000 francs CFA. In the morning. Dans au matin. Another woman came and knocked. Look for him. Une autre femme est venue le chercher à taper à sa porte. That is sack his children for school. Quand on a renvoyé ses enfants d'école. He had give the whole 10,000, but he didn't. Il a entendu donner les 10 000, mais il ne l'a pas fait. But he only give 5,000. Il a seulement donné 5 000. But later on, God told him that you miss it. Mais plus tard, Dieu lui a dit, tu as manqué la chose, tu as raté ça. And now, when God gave him another opportunity, quand Dieu lui a donné une autre opportunité, he went to dress a whole church. He took 400 CFA. He told the pastor, he dressed the whole church. Il cement the place for them. Il allait faire réaménagement de l'église à plus de 400 000. But that one now, the woman was just releasing his money. Par cela, maintenant, la femme ne fait que libérer de l'argent. He bought a land. Il a acheté un terrain. And built his own house. Il a construit sa propre maison. When we say recover, quand on dit de recouvrir, there are things to do to recover. Il y a des choses qu'il fait pour pouvoir récupérer. You know your life. Tu connais ta vie. I know mine. Je connais la mienne. Some of the things me I'm enjoying today is seed we sow ahead. Certaines des choses dont je profite aujourd'hui sont des semences que nous avons semées plus tôt. You cannot say I don't pray. Mais tu ne peux pas dire que je n'ai pas prié. These are people I've been carrying around. Voici les gens que je traînais partout. They were the disciples of Philip. J'étais les disciples de Philippe. Actuellement. Actuellement. 3 days. 3 jours. We don't bath. On ne se lave pas. Oh, we don't bath. On ne se lave pas vraiment. Oh God, open our eyes. Oh Dieu, ouvre nos yeux. God use us too. Dieu utilise nous aussi. God open the door too. Dieu ouvre les portes aussi. When we come to Kumasi, ask him. Quand on est venu de Kumasi, I don't speak tui. Je parle pas tui. But we don't. Where to sleep in Kumasi? Chao keke. Mais où dormir à Kumasi là? Hein? Adienu enye language o. There's an oil that why you don't speak their language called the open. I shanty woman open door for Igbo man. La chose là, ce n'est pas parler ou c'est l'onction là qui fait ça. Hein? Pour avoir une telle faveur, une ashanti qui ouvre sa porte à Igbo. Don't, is it Ahunjo, Kwadasu, or where we don't know? Where? Quelle place ça, on ne connaît pas? We will go to Asafo Market. Prophecy galon. On allait au marché d'Asafo. We will travel not transportation. We know that we will prophesy again our transportation. On a voyagé sans transport. On sait qu'on va prophétiser pour avoir transport. Asafo market, there's a woman there. Il y a une femme là-bas au marché d'Asafo. When I come, I say, "Eh bon pa, mi a dog bedan." We will pray. Quand il arrive, on dit, je dis, on va prier. By the time you finish prophesy, le temps il est fini de prophétiser. Pasteur Philippe, que le Seigneur te bénisse. Hein? We get our transport. On a déjà eu transport pour aller à la maison. Prayer unlock any hidden things. La prière décode, débloque toutes les choses cachées. Déverrouille ça. La prière déverrouille. Prayer accelerates your destiny. La prière accélère ta destinée. Prayer open ancient doors for you. La prière ouvre les portes anciennes pour toi. Les portes antiques. Prayer. La prière. The Father God say, you are great. Doesn't mean that it will happen. Le fait que Dieu t'ait dit tu es grand, cela ne veut pas dire que ça va arriver. You have to pray it. Tu dois travailler, prier. Because of time, I want to leave you home. À cause du temps, je vais vous renvoyer à la maison. But some of you, when you get home, certains d'entre vous, quand vous allez revenir à la maison, don't go and sleep over this. N'allez pas et dormez sur ça. Say God. Dis Dieu. The garment. L'habit, le vêtement. For that opportunity. Pour cette opportunité-ci. Put it on me. Mets-le sur moi. My word, people. Je suis déterminé au peuple de Dieu. Hein?
One day I'll tell you why I'm wild. Un jour, je vais vous dire pourquoi est-ce que je suis déterminé. After I have the testimony. Après avoir le témoignage. And what you are thinking, that's not it. I'll Et ce you. À quoi tu penses, mais ce n'est même pas ça. Je te dirai. There are some people I must meet. Il y a des gens que je dois rencontrer. If I have to be prophesying to police, Jadam, just be prophesying till I get the person I have to be. S'il me faut prophétiser aux policiers, aux militaires, aux gendarmes pour aller à la personne que je sais, je vais le faire. Mama, John the Baptist was told. Maman, Jean Baptiste, il a été Jean Baptiste. That the man by which the dove come is the Messiah. À lui, à Jean Baptiste, il a été dit que l'homme sur qui la colombe viendra, c'est lui le Messie. So what he have to do? Ce qu'il a fait. To be putting people in the water. Il ne fait que mettre les gens dans l'eau. When he put in the water, watch. Quand il te met dans l'eau, il regarde pour voir est-ce que la colombe est venue. Till that day. Juste à ce que ce jour-là. When he put the lamb of the Lord. Quand il a plongé l'agneau du Seigneur. The Holy Spirit descended. Le Saint-Esprit est descendu. People of God. En forme de colombe, peuple de Dieu. Something must follow your life. Quelque chose doit suivre ta vie. There's a place called there. There's a place called there. Il y a un lieu appelé si, là-bas. There's a somebody for you. Il y a un quelqu'un pour toi. There's a group of people looking for you. Il y a un groupe de personnes qui te recherchent. Life have wicked people, but good people are more than the wicked. Écoutez, la vie a des mauvaises personnes, mais les bonnes sont plus nombreuses que les mauvaises. Even when Jesus died, there was a Joseph of Arimathea. That come for his body. Même quand Jésus est mort, il y a eu un Joseph d'Arimathée qui est venu récupérer son corps. The dead body of Christ have a place to rest, and you are alive. You don't have what to sleep. La dépouille du Seigneur a eu un endroit couché, et toi qui es en vie, tu n'auras pas de lieu. What is happening in your life? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Let your heart talk to him. Que sit ton down, cœur sit down, lui talk parle. To assieds-toi. You are going home now. Tu vas à la maison maintenant. Destiny has been waiting for this time. La destinée a attendu pour ce temps. To give to you what belongs to you. Pour te donner ce qui te revient ou ce qui t'appartient. Destiny is calling. Destiny t'appelle. Your ministry is now. Ton ministère c'est maintenant. The word has entered into the night. Le monde est entré dans la nuit. If you don't use what God has given us, it's something we have to. Si Dieu, si tu n'utilises pas ce que Dieu t'a donné, comment feras-tu? This is the time of the manifestation of the children of God. Voici le temps de la manifestation des enfants de Dieu. We were on radio in Liberia. On était en radio au Liberia. It's not the mouth. Ce n'est pas la bouche. I say, Prince was there. Where's Prince? Prince. We are on radio. It's not like we are playing for one night. Radio. On est à la radio. I say I saw a woman. J'ai dit j'ai vu une femme. You have a dream. They cut your head. They throw it to the sea. Who say that? Tu as eu un son. Ils ont coupé ta tête. Ils ont jeté dans l'eau. Qui dit ça? When we on the radio, the woman called. Quand on est à la radio, la femme a appelé. Pastor. I have that dream. J'ai eu ce songe. We are not roadside people. On n'est pas les gens de rue. Who say that? How will you know? How? Comment est-ce que j'allais savoir? There's something in us. Il y a quelque chose en nous. While you are seated, say God. Pendant que tu es assis, dis Anything Dieu. Anything in me. Toute chose en moi. For the world. Pour le monde. For my family. Pour ma famille. For my church. Pour mon église. Lord, let it come out. Seigneur, que cela sorte. Commence à parler à Dieu. Ce que tu as mis en moi qui est pour le monde, ce que tu as mis en moi qui est pour ma There's something in you. Seigneur, que cela sorte. Il y a quelque chose en toi. Your nation is waiting for you. Ta nation n'attend que ça. The world is waiting for you. Le monde t'attend. The one know about Bonke. You are the next one. Where are you? Le monde a entendu parler de Bonke. Tu es le prochain. We heard of Billy Graham. Where are you? On a entendu parler de Billy Graham. Mais où es-tu toi? Woman of God, where are you? Femme de Dieu, où es-tu?
When are you going to stand to be counted? Quand est-ce que tu vas te tenir pour devenir ce qu'il faut? When? Quand? The wise men want to follow your stars. Les hommes sages veulent suivre ton étoile. The wise men. Les hommes sages. They are gazing always in the air. Ils sont tout en train de sculpter. They want le to ciel. Read your star and follow. Ils veulent lire ton étoile et la suivre. They have the gold and the mail. Ils ont They have the gift for you. Ils ont des dons pour toi. They want to sponsor and to help what God has put in you. Ils veulent sponsoriser et aider ce que Dieu a mis en toi. These men are waiting for you. Ces hommes n'attendent que toi. These men are waiting for you. Ces hommes n'attendent que toi. These men are waiting for you. Ces hommes n'attendent que toi. Any limitation in your family? Toute limitation dans ta famille is broken. Elle est brisée. Men are waiting for you. Les hommes n'attendent que toi. They are waiting. Ils attendent. 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 Talk to the Lord. Parle au Seigneur. Let it grow out of me. Que cela grandisse et que ça sorte de toi. Hein? Let the Spirit of God stir it out. Que l'Esprit de Dieu le fasse sortir. Yes. Yeah. Yes. Lord, help us. Seigneur, aide-nous. Something more than gold, something more than money. Hey. The Spirit of God in the heart of man. Something more than gold, something more than gold, something more than money. The Spirit of God in the heart of man. Something more than gold. Something more than money. Something more than gold. The Spirit of God in the heart of man. Something more. Can you imagine? Do ever imagine? Paul has met Jesus. Paul a rencontré Jésus. But God went to a man, said, "Go and open his eyes." Dieu allait à un homme et dit, "Va ouvrir ses yeux." À Paul. God is there's something with us people. Il y a quelque chose avec. God wants to collaborate with us. Dieu veut collaborer avec nous. God count on you if you are not believing him. Dieu compte sur toi. Et toi, tu ne crois pas en toi. You will not run away from the calling. Tu ne peux pas fuir ton appel. You will not run away. Tu ne pourras pas fuir. Lord, help us. Oh Lord, help us. Oh Lord, help us. Here. Écoute. Frère Simon.
A man died and went to heaven. Un homme est mort et s'est retrouvé au ciel. Why in heaven? Pourquoi au ciel? Why in heaven? Pendant qu'il était au ciel, somebody who didn't die have a divine revelation and met him in heaven. Quelqu'un qui n'est pas mort a une révélation divine et l'a rencontré. Why they meet in heaven? Quand ils se sont rencontrés au ciel, it's a brother. Il lui a dit, frère, before I die, avant que je ne meure, I have a plan to give you some money. J'avais le plan de te donner une certaine somme d'argent. Sami, Sami, I'm talking about Sambo. Je parle de Sambo. The man was a rich man. L'homme était un homme riche. And he fell sick. Il est tombé malade. It's like Sambo went to pray for him. Et Sambo allait prier pour lui. Because he will make heaven, God allow him to die. Avant qu'il ne puisse entrer au ciel, Dieu a permis qu'il meure. What they met in heaven? Quand ils se sont rencontrés au ciel, c'est brother. Il lui a dit, frère, before I die, avant que je ne meure, I make up my mind to give you some money. Je m'étais résolu de te donner une somme d'argent. But go and tell my wife. Ben, va dire à ma femme to release the money. De libérer l'argent. Will the wife release? Est-ce que la femme va libérer l'argent? Do you know that somebody have thought of you, Christian? Est-ce que tu sais que Christian, quelqu'un pense à toi? Do you know somebody have thought of you? Tu sais que quelqu'un pense à toi? Why they don't do what they think of for us? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ce qu'ils pensent nous concernant? May the recovery anointing come upon our life. Que l'onction du recouvrement vienne sur nous. Are you getting the thing? Est-ce que vous saisissez la chose? Ils sont là. They are there. Ils sont là. They are there. Ils sont là-bas. They are there. Ils sont là-bas. Ils sont they are there. Ils sont là. And these 3 days. Et pendant ces 3 jours. May the Lord usher all of us into it. Que le Seigneur nous donne de recouvrir. May the Lord usher all of us to it. Que le Seigneur nous y amène. I don't know what was on the apostles that the rich sell everything and give to their feet. Je ne sais pas ce qui était avec les apôtres pour que les riches vendent tout ce qu'ils ont et puis les apportent à leurs pieds. It's a grace. C'est une grâce. Let it come upon our life. Que cette grâce vienne dans nos vies. I heard the story of a man in La Côte d'Ivoire. J'ai entendu parler d'une histoire d'un homme en Côte d'Ivoire. I saw the man living my vision. J'ai vu l'homme en train de vivre ma vision. He have money. Il a l'argent. He have instrumentalists. Il a rassemblé les instrumentistes, les musiciens, les chanteurs. He rent a place for them. Il a loué un endroit pour eux. Pay salary for them. Il leur paye un salaire. Their work is prayer. Leur travail c'est la prière. Reza. Répétition. Evangelism. Évangélisation. Prayer. Prière. Reza. Répétition. Evangelism. Évangélisation. If you have a child, si if you want to bring the child to Abidjan, si he will pay the school fees. Abidjan, il paye la scolarité de l'enfant. As we are talking, and they went to Korogo. Pendant qu'on parle, ils sont allés à Korogo. With the best instrument. Avec les meilleurs instruments. The Bible says in the building of the temple. Dans le temps, men, God touched their heart and men give and there was abundance. Dans la construction du temple, Dieu a touché le cœur des gens. Ils ont donné et c'était abondant. May the Lord touch hearts for us. Que le Seigneur touche les cœurs pour nous. May the Lord touch hearts for que us. Le Seigneur touche les cœurs pour nous. May the Lord touch hearts for us. Que le Seigneur touche les cœurs pour nous. A man of God, un homme de Dieu, needed money. Avait besoin d'argent for his program. Pour son programme. And like the program will start tomorrow evening like this. He went to the program place to pray and to see whether people have arranged the place. C'est comme le programme devait commencer comme demain et le soir comme ceci, il est allé sur le lieu pour prier pour voir si les choses sont prêtes. And when he was there, so let me go and urinate. Et quand il était là-bas, il a dit oh, que j'aille faire pipi. Why you went to urinate? Oui, il allait faire pipi. He read that the toilet was messed up.
Il a vu que les toilettes étaient dérangées. Leadership by example. Leadership by example. He said, ah, where should I go? Il a dit, pourquoi est-ce que je dois partir? Tomorrow morning, the program will start. Demain matin, le programme va commencer. The pastor himself started mopping. Le pasteur lui-même a commencé à nettoyer les toilettes. Mopping. Essuyer. Why he was doing that? Quand il le faisait, there was somebody from the clubhouse. Il y avait quelqu'un sortant d'une club. That the Holy Spirit has been dealing with him for some days. Que quelqu'un avec qui le Saint-Esprit était en train de toucher il y a des jours déjà. And he too also heard that there will be a program here. So Dana from the clubhouse, he decided to pass the program place. He doesn't really know donc whether aussi, the program is on or not. Lui aussi, il a appris qu'il y aura programme. Donc de du bar, il dit qu'il va passer là-bas. Il sait pas si le programme est terminé. Même when déjà, he came, the place was empty also. Quand il est venu aussi, l'endroit était vide. He too want to go to the bathhouse. Lui aussi, il veut aller dans les toilettes. Quand il allait, il a vu un homme. See, the program is over. Il l'a demandé, le programme est fini. No, the master, the program is tomorrow. Il dit, le programme c'est pour demain. But who are you? Il dit, mais qui es-tu? I'm the pastor. Je suis le pasteur. See, you say what? Tu dis quoi? Are you the cleaner or the pastor? C'est toi qui essuies ou bien c'est toi le pasteur? I'm the pastor. Je suis le pasteur. C'est pasteur. Il dit, pasteur. The Lord has been dealing with me. Le Seigneur est sur I moi. Have a lot of money. J'ai beaucoup d'argent. But the Lord said I should serve him. Le Seigneur me dit de le servir. Thank you. I see humility with you. Merci parce que je vois l'humilité en toi. I'm giving you all the money. Je viens te donner tout l'argent. You cannot recover if you have pride. Tu ne peux pas recouvrir ou retrouver si tu as l'orgueil. You cannot recover when you are boastful. Tu ne peux pas recouvrir quand tu es hautain. There's a place that people want to see you in to come. Il y a une place ou un endroit dans lequel les gens veulent te voir afin que l'aide là vienne vers toi. Go back. Retour. Tomorrow I'll be talking. Demain, je parlerai. The step to recover. Les pas ou les processus pour les étapes. One pour of recouvrir. The steps is to come back to yourself. L'une des étapes est de revenir en toi-même. Examine yourself. Examine toi-même. God is not giving you a new thing. The old one that is in you. Il make it new. Dieu ne te donne pas quelque chose de nouveau, mais l'ancien qui est en toi là, il renouvelle ça pour toi. God didn't give another new head to Samson. Dieu n'a pas donné une autre tête à Samson. From the old hair, de l'ancienne tête, new one, de l'ancien cheveu là, de nouveau. You don't need to change your name. Tu n'as pas besoin de changer ton nom. The same person. La même personne. You that people know your story. Toi que les gens connaissent ton histoire. You that people know you fail. Toi que les gens vivent tu as échoué. You that people know it's over for. Toi pour qui les gens disent c'est terminé. You that has fallen. Toi qui est tombé. Now you God won't use. Non, c'est toi que Dieu veut utiliser. I said now you. C'est toi que Dieu veut utiliser. Now you God won't use. C'est toi que Dieu veut utiliser. Now you. C'est toi. So Lord we thank you. Alors Seigneur nous te bénissons. Oh Lord thank you. Oh Seigneur merci. Lord, restore our life. Seigneur, restaure nos vies. Help us to recover all. Aide-nous à tout retrouver. Our ministries. Nos ministères. The gifting. Les dons. Let your promises be restored. Que tes promesses nous soient restaurées. Let it be restored. Qu'ils soient restaurés. Let it be restored. Qu'ils soient restaurés. Let it be restored. Qu'ils soient restaurés. There are a lot of us here spiritually. If you see yourself. Il y a beaucoup d'entre nous ici, si vous vous voyez spirituellement. You are so glorious, wonderful, but physically, it's not the same. Vous êtes si glorieux, merveilleux, mais physiquement, c'est pas la même chose. I pray that what happened in the spirit will affect your physical. Je prie que ce qui se passe dans l'esprit affecte ton physique. Let it affect it. Que ça affecte ton physique. Let it affect it. Que cela l'affecte. Let it affect it. Qu'il affecte ton physique. Let it affect it. Qu'il affecte. Let it affect it. Qu'il affecte ton physique. Your spiritual life will not be different from the physical. Ta vie spirituelle ne sera pas différente de ta vie physique. Oye mi onkono kwarifu. Mami, mami. Oti sadiko ewia. Osa
Notre Dame, c'est au bras du ribord. Oye, mi crarenti, tu refous. Oye, mi onkono, qua refous. Mami. Thou seest the Lord. Ainsi parle le Seigneur. As I hear, I speak. Pendant que j'entends, je parle. There's a pastor here. Il y a un pasteur ici. The Lord say you have not started receiving from the customized troubles he has for you. Le Seigneur dit que tu n'as pas encore commencé à recevoir. There's a release of a troubles. Like a gift, it's like an old wood, but the content is more than gold. Il y a comme un ancien coffre, mais le contenu est comme de l'or. He said you have not even opened it to say you are enjoying from it. Il dit que tu n'as pas encore ouvert pour dire que même tu en profites. Say discover it. Il dit découvre. Discover it. Découvre. Discover it. Découvre. Discover it. Découvre-le. Discover it. Découvre-le. It's just like the way you go to an old world, old house that you see a old troubles. There is a name on it, but the owner have never come. Mais c'est comme tu vas dans une vieille maison et tu trouves un vieux coffre, mais il y a un nom là-dessus et le propriétaire ne l'a jamais ouvert. I pray that these 3 days you discover it and je prie enjoy que it. Pendant ces 3 jours que tu le découvres et que tu en profites. Lord, help us all. Seigneur, aide-nous tous. And lead us to that warehouse. Conduis-nous à cette maison. To take what belongs to us. Pour prendre ce qui nous appartient. Lord, I pray for the family on the internet. Seigneur, je prie pour la famille sur l'internet. I pray for that woman. Je prie pour cette femme. That is believing God for restoration. Qui croit en Dieu pour la restauration. Lord, remember her. Seigneur, souviens-toi d'elle. 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 There's somebody on the internet listening. Il y a quelqu'un sur l'internet qui écoute. The government, the nation you are in, the government supposed to release you a money. Le pays dans lequel tu te trouves, le gouvernement est supposé libérer une certaine somme d'argent pour toi. They have been you. Ils ne font que te tourner. In the name of Jesus, au nom de Jésus. In 72 hours, dans 72 heures, une lettre entrera dans ton email. That will make you recover all. Qui va t'emmener à tout retrouver. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Father. Merci Père. Amen. Amen. God bless you. Amen. Amen. Let's bless the Lord with a clap of friends. Nous allons bénir le Seigneur avec des acclamations. Pastor, God bless you so much. Que Dieu vous bénisse abondamment. We want to pray for him. Nous allons prier pour notre papa. Cover him with the blood of Jesus. Nous allons couvrir par le sang de Jésus. We know that virtues have come out from him towards us. Nous savons que des vertus sont sorties de lui pour nous. We pray that God replenishes him. Let's pray. Restore sa vertu. In the name of Jesus Christ. Père, au nom de Jésus, nous prions. As you pray, may the Lord replenish all the virtues that went from him to bless us. Que Seigneur to realign our lives ravive-le for recovery Seigneur, remplis-le of God's blessings that we have lost. Nous le couvrons, Seigneur, avec ton sang précieux. Let's pray in the name of Jesus. Cover us, Lord, Mama, the children, the house of our pastor. Let the blood of the Lord Jesus Christ defend them. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Before we share the grace, avant de partager la grâce, in these 3 days or ces trois nights, jours, I have determined
J'ai déterminé de recevoir tout ce que le Seigneur a relâché pour moi. Anyhow. Alors ne viens pas n'importe come comment. With a determination. Viens avec une détermination. Come with an attitude. Viens avec une attitude. Don't watch anybody. Ne regarde personne. Be determined to receive. Sois déterminé à recevoir. These 3 days should not just go as ordinary days. Ces 3 jours ne doivent pas passer comme make un des jours ordinaires. Have a target in these 3 days. Sois sûr que tu as un objectif and pour ces 3 jours. The Lord is going to look at such hearts. Et le Seigneur va observer ce que. Blessed are they that thirst and hunger. Heureux ceux qui ont soif after righteousness and the Lord will fill them. De justice et so le Seigneur va Lord les nourrir. Empower our pastor alors, for these 3 nights. Que le Seigneur fortifie notre papa pour ces 3 jours. But may tomorrow be greater than tonight. Demain, que demain soit plus grand qu'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Let's take your offering. Prends ton offrande. Let's pray. Prions. Father, we thank you so much. Père, nous te remercions en bon moment. For it is in your hand to make great and to make rich. Car c'est de ta main que tu rends riche. You have blessed us and we have taken from it. Seigneur, to honor your name. Nous avons pris de cela pour. We pray that Lord you receive. Nous prions Seigneur que tu and reçois. Bless us in abundance. Et tu nous bénis en in abondance. Jesus Christ's name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. As Pastor said, très tôt le matin, comme le papa l'a dit, find your way to Achimota Forest. Fais de ton mieux pour te retrouver dans la forêt d'Achimota. Come and pray. Et viens prier. Amen. Amen. Rise, please. Levons-nous. Let us share the grace. Nous allons partager la grâce. The grace of grâce our Lord Seigneur Jesus Christ, Christ, the love of God, Dieu, and the sweet fellowship of the Holy Spirit. Be with us now and forevermore. Amen. Amen. Surely, oui, le bonheur, goodness and mercy grâce, shall follow us tous les jours de nos vies, all the days of our lives. Dans la maison de and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Ushers, please, there are some monies here. We have a birthday celebrant in the house. Our Pastor Samit, today is his birthday. Today is Pastor Samit's birthday. And we have a shock for him right now. We have a surprise for him. We have a birthday cake for him. We have a birthday cake for him. Be around as we celebrate our Pastor Samit. Our resident today, pastor. Today is his birthday. Mr. Resi Resi. Rest. All the blessings, yes. Ah, come on. Hey.
Oh, baby.